بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان مبارك نعم notre premier cours le voici notre premier cours durant ce mois béni de Ramadan qu'Allah nous a permis d'atteindre walhamdulillah qu'Allah nous facilite notre jeûne et comme on dit les savants ce qu'il y a de plus facile dans le mois de Ramadan c'est de jeûner c'est de jeûner contrairement à ce que pensent les passionnés. Oh la faim, oh la soif, il n'y a que ça qui retiennent du jeûne, wallahi. Parce qu'ils n'ont pas de din, n'ont pas d'edeb, ils n'ont pas de foi. Leurs cœurs sont morts, malheureusement. Donc, eux, quand ils voient jeûne, bah, pas d'eau, pas de nourriture, subhanallah. Voilà. Et là, ça pose problème. Or, les savants ont dit, pour celui qui a la foi, le plus facile, c'est de jeûner, physiquement, on veut dire, et de jeûner. Mais c'est faire jeûner l'ouïe, faire jeûner les yeux, faire jeûner la langue, soumettre son corps à Allah Ta'ala, faire plus d'œuvres. Ça, c'est plus difficile pendant le Ramadan. Hein? Après s'abstenir à 3h30, 4h moins le quart de nourriture, tout dépend où on habite, jusqu'à environ 21h30, 22h, il suffit d'avoir la ferme décision de le faire. Et voilà, il y a des gens, même parmi les koufars, sachez-le, ils le font. Hein? Ils appellent des jeûnes séquentiels ou des jeûnes hydrauliques. Alors parfois, ils boivent que de l'eau, mais le jeûne est une pratique courante chez l'être humain. Nous, nous additionnons le jeûne physique, pratique, à la fois. C'est ça qui fait toute la différence. Nous, c'est pas un jeûne pour maigrir. C'est un jeûne de foi. D'accord? Donc, bien malheureux est celui qui jeûne physiquement, mais que ses yeux sont sur toutes les femmes. Ou alors, il crie sur tout le monde, il insulte. Naam. Yani, il perd son temps. On l'a vu dans les audios sur Ramadan, les séries de Ramadan. Il y a encore le temps d'y retourner et apprendre, Inch'Allah. Les comportements erronés, ceux qui ont des comportements yani, erronés, qui perdent leur temps, la télé, etc. Ça, c'est de l'égarement. Et je dis alhamdoulilah de voir qu'il y a quelques personnes ici connectées à 16h, comme ça. Certes, nous sommes samedi, c'est le week-end. Alhamdoulilah, en semaine, ce sera peut-être plus moins peuplé, parce que des gens ont des activités. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir des gens qui, en après-midi de mois de Ramadan, se soucient de leur science et viennent apprendre leur religion. C'est très important. C'est très important et ça fait plaisir. Donc voilà, nous y sommes. Et donc, Allah nous facilite notre jeûne. Et ensuite, j'ai parlé à ce sujet, notre jeûne physique, mais aussi nous facilite les bonnes actions et nous pardonne nos manquements. Nous allons donc commencer le premier cours du programme spécial de Ramadan sur « Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs ». On avait parlé, hein, c'est un livre qui regroupe énormément, des centaines, si ce n'est pas plus, milliers peut-être de paroles de pieux prédécesseurs. C'est très court à chaque fois. Hein. Un Foulen a dit, Foulen a dit, un tel a dit, un tel a dit. Tout simplement. Ça ne va jamais au-delà de quelques lignes. D'accord? Et là-dessus, on médite, on se compare. Bien sûr, même si on n'arrivera jamais à leur niveau, mais on se compare, on médite et on s'émerveille. Naam. Et ça fait du bien à la fois. Et c'est bien de lire comme ça le comportement de nos pieux prédécesseurs, surtout pendant cette période de Ramadan. Et ça touche sur tous les sujets. Hein. Inch'Allah, je ne sais pas s'ils ont fait le sommaire ici, pour vous donner un petit ordre d'idée. Pour ceux qui ne l'ont pas, ce livre-là, ça parle de la sincérité envers Allah, la correction de l'intention, la persévérance et le sacrifice pour la religion, l'attachement à la sunna. Salman, soit tu sors. Enfin, soit tu restes ici et tu restes calme, soit tu sors. Hein? C'est vrai. Le suivi des compagnons, l'importance du hadith, l'innovation et ses adeptes, la passion et leurs adeptes, la science et ses mérites, le mérite des savants, la bienséance dans l'apprentissage et l'enseignement, le comportement des savants, énormément de choses, les adeptes du Coran, méditation du Coran, l'aumône, la prière de nuit, le jeûne, etc. Le travail, l'argent et les biens, l'invocation, la mention d'Allah face aux épreuves. Et la vigilance face à Shaitan, le pardon, la solitude, la fraternité, énormément de sujets traités dans ce livre. Et, yani, avec des paroles de nos pieux prédécesseurs concernant chacun de ces sujets. Voilà. Donc, ça, c'est ce cours pour cet après-midi. Et Inch'Allah, ce soir, on fera, comme tous les soirs avant le futur, c'est-à-dire à 20h environ. Hein, à 20h environ pour tenir compte de tous les endroits yani, où les gens ils habitent. C'est peut-être pas la même heure partout. Mais bon, en général, ce sera jamais à 20h. C'est minimum, je pense, c'est 21h. Après, là, c'est 21h15, d'autres, c'est 30, d'autres, c'est 45.
Donc c'est 50-55. On fera les moyens menant une vie heureuse de Cher Saadi. Voilà. Pour le programme des cours, Inch'Allah. De toute façon, vous vous référez à l'Instagram. Inch'Allah, ce sera tout expliqué. Selman, tu sors. Selman, tu sors. 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 Vraiment. Excusez-moi, hein. C'est en direct. J'ai voulu le faire assister à l'assise, mais bon, il est petit encore. Hein. Il a un an et demi, donc il pense plus à faire des qu'à écouter. Non. Donc, voilà. Et Inch'Allah, à chaque fois, donc 16h. Moi, c'est 18h05 chez moi, l'As. On arrêtera peut-être vers 17h50. Wallahu a'lam. On va voir comment on fait ça. Et allez. On va commencer par l'introduction de ce livre. D'accord ? Par l'introduction de ce livre, qui est très courte. Avant de commencer directement dans le vif du sujet avec le premier chapitre, la sincérité envers Allah, et en citant un tel et un tel. Non. Alhamdulillah Rabbil Alamin, et qu'Allah couvre d'éloges et salue notre prophète Mohammed ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui emprunteront sa voie jusqu'au jour de la rétribution. Ceci, yani, est donc la présentation du livre ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Et c'est la deuxième version du livre. Il y a déjà eu une version qui a été faite et elle a été corrigée. Cette deuxième version s'imposait tant la première nous a laissé des regrets. En effet, ces récits des pieux prédécesseurs, ce qu'on appelle les salaf salih, sont des sources de vie auprès desquelles on ne se lasse pas de venir s'abreuver. Et ce qui en jaillit est si suave que la soif n'est jamais étanchée. Nous avons donc regretté d'avoir écarté tant de joyaux de notre première sélection. Et il nous fallait réparer cette erreur et accorder à cette catégorie d'ouvrage une dimension plus adéquate avec la valeur qui est la sienne. C'est-à-dire que dans la première édition, c'était pas le format que j'ai là entre les mains. Là, c'est un format plus grand, à 15€, cartonné marron et or. Marron et jaune, en tout cas. Et un nid, c'est cartonné, vous voyez, c'est le grand format. L'autre édition, enfin, c'est toujours Taoba, mais ouais, Naram, la première édition, c'était un petit livre. Et c'était un livre à 10€, je crois, au moins de 10€, il était plus petit. Et plus concis pour le coup, ils avaient enlevé des chapitres, il n'y avait pas toutes les paroles qu'il y a ici, donc la vraie version définitive, c'est celle-ci. La première, il manque un peu. Naam. Voilà donc pour l'auteur, l'éditeur, ce qu'il dit. Et s'il fallait résumer l'esprit de cet ouvrage en quelques lignes, ce serait dans les propos de l'imam Ash-Shafiri. Naam. Idris Ash-Shafiri, qui dit en vers, et cette phrase-là, qu'est-ce que je l'aime ? Qu'est-ce que je l'aime ? Je pourrais avoir marqué comme ça sur mes murs partout, tellement elle me touche. Il dit, rahimallahu ta'ala, plutôt, il a dit, rahimallahu ta'ala, j'aime les vertueux, mais je ne suis pas des leurs. Et je les aime afin peut-être d'obtenir leur intercession. Et puis je déteste celui dont le commerce est le péché, même si notre marchandise est la même. Allahu Akbar. Déjà, d'entrée, avant même de rentrer dans les chapitres, yani, cette introduction qui résume d'ailleurs tout l'ouvrage, avec ce vers, ce poème d'Ash-Shafi'i est magnifique et montre la grandeur des pieux prédécesseurs dans le sens où on ne fera pas des phrases comme eux, c'est pas possible. Ils étaient très très éloquents, on peut l'être nous parfois, mais eux savaient résumer énormément de choses, faire passer énormément d'émotions, un grand message en très peu de lignes. Je pense que tout le monde a compris le sens. Hein, j'aime les gens pieux, je les aime, c'est ce qu'il dit, mais par modestie, il dit, moi je suis pas des leurs. Moi, je ne suis pas des leurs. Mais je les aime afin peut-être d'obtenir leur intercession. Car on sait que le croyant sera réuni, ou la personne, du moins la personne, pas le croyant, puisqu'on va le voir, la personne sera réunie avec ceux qu'elle aime, Yom Al-Qiyama. D'accord ? La personne, j'ai dit, le croyant avec les croyants, certes, mais il y en a ceux qui aimaient les mécréants avec les mécréants. C'est pour ça qu'on dit attention, nos petits frères et sœurs, qui sont fans des rappeurs et des koufars et de ceci. Vous les aimez en ce bas monde, vous ne les détestez pas pour Allah. Attention, attention demain. Attention, qui tu aimes ? Attention, qui tu aimes ? Nah. Et lui, il dit, j'aime les vertueux, j'aime les pieux, j'aime les gens comme ça, accrochés à leur dîme, mais je ne suis pas des leurs, afin peut-être d'obtenir donc leur intercession. Nah. Et après, il dit encore par humilité, je déteste celui dont le commerce est le péché. Ça, il fait, on le voit, là déjà, on le voit, ici, on a un point de l'aqida, dans juste ce qu'il dit. Al-wala ou al-bara, pourquoi ? J'aime les vertueux, ça c'est une obligation, al-wala ou al-bara, le désaveu, je déteste celui dont le commerce est le péché. Directement, déjà, on a un point de l'aqida dans ce qu'il dit. Il déteste Naram, celui dont le commerce est le péché. On est obligatoire d'être dans cette situation-là. Et il dit, même si notre marchandise est la même, même si moi je fais les péchés, je déteste ce que je fais, je déteste ceux qui le font. C'est pas genre j'en fais, mais j'aime. Je vous donne un exemple très très simple et très concret pour que vous compreniez, Inch'Allah. Je bois de l'alcool, pas moi, hein, c'est un exemple.
Je bois l'alcool. Je m'en veux. Je me déteste quand je le fais. C'est un péché, je le dis, c'est haram. Mais je vais pas aimer l'épicier qui me vend la bouteille. Je vais pas aimer aussi l'autre qui boit sur son banc. Je déteste celui qui vend l'alcool. Je déteste celui qui boit l'alcool. Et je me déteste aussi quand je bois cet alcool. Vous comprenez? C'est pas « Ah, comme je fais, moi j'aime ». Parce qu'il y en a, des fois, ils font de la musique, donc on aime, on est tous frères, c'est mes frères rappeurs, c'est... Si même toi, tu fais de la musique, ou t'écoutes de la musique, tu dois quand même détester ceux qui la font. Wallahi, ça n'a absolument rien de schizophrène. C'est El Wala ou El Bara. J'ai un problème, moi. Moi, j'ai un problème avec moi-même. Je suis dans une erreur. Mais je vais pas aimer le péché et ceux qui le font. Vous comprenez? Admettons. J'ai un faible pour une femme, je suis dans la passion, yani, qu'Allah nous préserve. C'est terrible. Ça brûle en moi, c'est... Yani, voilà, c'est... on connaît les passions amoureuses. Est-ce que je vais encourager les gens comme ça à se mettre dans la passion amoureuse? Et je vais dire que c'est bien la fornication, ou c'est bien, yani, de parler à une femme, ou c'est bien de regarder une femme? Non! Et c'est ce que dit Shafi'i. Moi, j'aime les pieux, mais je fais pas partie de ces gens-là. Ils sont trop hauts pour moi, mais je les aime. Wallah, j'aimerais leur ressembler. Et je déteste ceux qui font les péchés, mais pourtant, je suis comme eux. Ça, c'est très important à mémoriser et à comprendre. D'accord? C'est pas parce que tu fais pas partie des pieux que tu peux pas les aimer. Et tu, peut-être tu les rejoindras même si t'es pas parmi eux. En vérité. Par ton amour, par ton alliance. Et c'est pas parce que t'es dans le péché que tu dois aimer et dire, eh, vas-y, de toute façon, ils sont comme moi, moi je les aime, c'est mes frères. C'est pas tes frères. Subhanallah. C'est pas tes frères. Tes exemples, c'est les pieux. Même si t'en fais pas partie. J'espère que c'est clair. Et ce vers-là, il me fait tellement, il me touche énormément. Et c'est vraiment, je me retrouve dedans. Moi j'aime les vertueux, certes. C'est pas un secret. Mais wallah, je suis pas des leurs. Moi aussi, je le dis, je suis pas des leurs. Et j'aime pas les gens qui font le mal. Vous voyez, je suis assez là à les blâmer, notamment dans mes posts. Et ceci et cela, craignez Allah, et c'est pas comme si. Et pourtant, peut-être si je les fais pas tous, les péchés. Et notre marchandise est la même. Ça veut dire que j'ai aussi de la marchandise corrompue. Ça veut dire que j'ai aussi des péchés. Et qu'Allah me pardonne et vous pardonne. Naam. L'imam Ahmed a répondu à ce vers-là en disant, tu aimes les vertueux et tu es des leurs. Vous voyez, d'un côté, la modestie de Shafi'i, et de l'Issa Shafi'i, et de l'autre, yani, l'éloge qu'en fait Ahmed ibn Hanbal. Yani. Et toi, tu te rabaisses, mon frère, tu te rabaisses, tu t'humilies. Non, pas humilier, on s'humilie devant Allah, mais tu t'abaisses, yani, tu es très très humble, tu dis que tu n'es pas comme ci, pas comme ça, et moi je fais tes éloges de l'autre côté. C'est pas toi qui fais tes éloges, c'est un frère en Allah qui lui fait ses éloges. Il lui dit, tu aimes les vertueux, mais tu es des leurs, sache-le. Et de vous, les gens obtiendront l'intercession. C'est-à-dire qu'il dit, tu dis que tu les aimes et tu fais partie d'eux. Moi, je juge que t'es comme ça. Et de vous, les gens, tous les gens, ils obtiendront l'intercession. C'est-à-dire que c'est toi qui donneras l'intercession aux gens. Tu espères l'obtenir, c'est toi qui vas la donner parce que tu es pieux, Idris. Naam. Et après, lui dit, tu détestes celui dont le commerce est le péché, qu'Allah te préserve de la pire des marchandises. Il lui fait le doa pour le préserver, naam, bidnillah. Tu détestes, certes, celui dont le commerce est le péché, alors qu'Allah t'en préserve. Non. Si on peut voir en ses propos l'humilité et la modestie de l'imam Ash-Shafi'i, il ne faut pas manquer d'y voir également la science profonde de ce flambeau de la communauté. Car certes, Ash-Shafi'i, l'imam Ash-Shafi'i, rahmallahu ta'ala, compte parmi les pieux et les modèles éminents. Mais il n'y a pas de fausse modestie dans ses propos. Il avait la science. Et il savait également de science certaine que ceux qui l'ont devancé au premier rang desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons sont parvenus à des degrés que personne n'égalera et que lui-même n'égalera pas. Il visait cela en vérité. Bien sûr, si on comparerait, ou plutôt on mettrait la phrase d'Ash-Shafi'i dans notre époque, et on dirait qu'elle est d'époque, et que Shafi'i serait d'époque, ça n'aurait plus vraiment de sens. Pourquoi ? Les vertueux de nos jours, certes, Shafi'i les aurait pas vus nécessairement comme des vertueux. Sachez-le. Comme ont rapporté les savants, des gens comme Shir el-Albani ou Shir ibn Baz. Rahmallah, mais c'est des grands savants, hein, à notre époque. C'était des gens de la masse, à l'époque. Des gens normaux. Des gens qui avaient un peu d'aïm, qui s'intéressaient à leur religion. C'est tout. Je sais pas si vous vous rendez compte. Encore une fois. On est très, très loin. D'accord? Et lui, quand il disait j'aime les vertueux, je ne suis pas des leurs, il visait certes Mohammed et ses compagnons. Vous voyez le niveau que ça donne encore plus haut. Ça sert même à rien de trop s'imaginer parce que on va pleurer. Nous sommes les derniers, les derniers, les derniers, les derniers de la communauté. Même nos savants sont les derniers des derniers. Pourtant, ce sont les plus grands à notre époque. Ce sont des grands savants. Ils sont très pieux, etc. On les dénigre pas. C'est pas un dénigrement. On catégorise les choses. La Shafi'i était faible et il le savait. Et il le savait d'une science certaine.
les compagnons du prophète Rasulallah étaient d'un niveau beaucoup, beaucoup, beaucoup plus supérieur au sien. Et il le savait. Pourtant, il arrive juste derrière. Et que dire d'après, et d'après, et d'après, et d'après, et de nos jours, nous, aujourd'hui, subhanallah. Et nous, nous, là, qui faisons, là, tous ceux qui m'écoutent et moi-même. On est loin, 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 loin. Là. Et donc, on n'égalera ni les compagnons, radiallahu anhum, ni le prophète, bien évidemment, alayhi salatu wassalam, ni Ash-Shafi'i, ni même, est-ce qu'on peut égaler un savant de nos jours, Cheikh Fawzan, on peut l'égaler, Cheikh Al-Bani, on peut l'égaler. Là. Essayons déjà d'être en compétition avec nous-mêmes, de prendre modèle sur ce qu'on peut prendre comme modèle, les pieux prédécesseurs, en tête de liste, bien évidemment, le prophète, alayhi salatu wassalam, on fait nos efforts, et on est en compétition avec nous-mêmes. On se bagarre, on est meilleur que l'année dernière, meilleur qu'hier. Maintenant, ça va être dit, je crois, Inch'Allah, après, si c'est la même édition que j'avais déjà lu. J'avais eu le petit à la base. Après, je l'avais changé contre ce grand-là parce qu'il était plus complet. Mais, il ne faut pas tomber en dépression. C'est ce qu'il fallait dire aussi. Ça va peut-être être dit après, dans ces termes-là, mais c'est pareil en substance. À savoir, nous, c'est nous. Il ne faut pas les regarder en disant « ça ne sert à rien, j'abandonne tout, laisse tomber, je ne suis même pas à 1% de ce qu'ils faisaient. » Non, fais tout ce que toi, tu peux, Yarni. Fais ce que toi, tu peux. Tu as, Allah, il sait, tu as ta personne, ton époque, ton niveau. On sera jugé par rapport à tout un tas de caractéristiques. Nous ne sommes pas parmi les pieux prédécesseurs, on ne sera pas jugé comme les pieux prédécesseurs, sachez-le. Jugé en tant qu'être humain, bien sûr, un péché reste un péché. Mais, Allah, il est magnanime, il est juste. D'accord ? Ce sera très... comment je pourrais dire ça ? Très... très précis le jugement, très très précis. On ne peut pas juger un compagnon comme juger aujourd'hui Qassim ou Yanis ou Khalil, comme ça, nous en France aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça peut pas être le même jugement. On n'est pas à la même époque. On n'a pas les mêmes choses devant les yeux. On n'a pas la même science. Donc il ne faut pas partir en dépression du fait qu'on lit telle et telle chose en disant nous on est nul. Nous on est nul, oui, mais on s'illumine, on essaye de trouver. En ce livre, on va dire le rôle d'une torche, d'une lumière, d'une bougie pour nous éclairer. Et puis on avance tranquillement. Ça ne sert à rien. Il faut se remettre en question, bien sûr. Il faut faire des efforts, bien sûr. Ça ne sert à rien de se rabaisser outre mesure. Sinon, on recule, en fait. On arrête tout. D'accord ? Imam Ahmed, lui aussi, avait cette même vision. Ainsi, Al-Marhudi rapporte. J'ai entendu Abu Abdallah, et c'est l'imam Ahmed ibn Hanbal, c'est sa kunya Abu Abdallah, mentionner le comportement des pieux et dire « Je demande à Allah qu'il ne nous arbore pas. Où sommes-nous face à eux ?» Imam Ahmed parlait des pieux, donc il visait encore une fois les compagnons, et il disait « Où sommes-nous face à eux ?» À considérer cela sans science, c'est-à-dire que si tu lis ça comme ça et que tu n'as pas d'aim, on peut tomber dans le désespoir et dire, ce que je viens de vous dire, si tel est le cas de Shafi'i et Ahmed, que dire de nous qui sommes noyés dans le péché à milieu de la vie et de la vertu des pieux prédécesseurs? Mais si on regarde bien, les vers de l'imam Ash-Shafi'i laissent une lueur d'espoir pour lui et aussi pour chacun d'entre nous, qui repose dans l'amour sincère qu'on peut porter à ses vertus et à leurs œuvres. C'est ce que je vous disais. Nous, c'est nous. Mais qui tu aimes, au fond? T'es pas Mohamed Al-Salam, t'es pas Omar ibn Khattab, t'es pas Ash-Shafi'i, t'es même pas Cheikh Fawzan. Mais où en es-tu de ton amour pour tous ces gens-là? Où en es-tu de ton amour pour tous ces gens-là, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu aimes plutôt les rappeurs? Allahu a'lam. Les autres chanteurs? Les sportifs? Comme on voit aujourd'hui, malheureusement. Malheureusement. Hein? Sportifs. Des idoles modernes. Et Messi et compagnie, moi je ne suis absolument pas foot. J'ai dû regarder 4 matchs de football à la télé dans ma vie, Allahu a'lam. Enfin bref, c'est une expression, mais... pas du tout. Je trouve aucun intérêt. Et comment on peut se passionner et suivre les bons? Bref, c'est quelque chose qui me dépasse. Mais entre regarder un match de football, déjà, est-ce que c'est permis pour tout le haram qu'il contient? Mais c'est même pas le sujet ici. Mais moi, je parle du fanatisme. Il veut le maillot, il veut comme lui, il regarde sa coupe de cheveux, il l'aime, il connaît le nom de ses enfants. Tu lui demandes, est-ce qu'Orman al-Khattab, il a eu des enfants? C'est qui, déjà, c'est qui Orman al-Khattab? Bon, il est connu, d'accord. Abu Sayyid el-Khoudri, c'est qui? C'est qui? Femme? Etc. C'est le même, El Farisi, c'est qui? Je sais pas. Mais Messi, sa femme, tant de trucs et ça, et il a divorcé, il est revenu, hein? Ça c'est grave.
Donc, qui tu aimes? Toi, ta personne, t'as des manquements, tout ça. Ok, fais des efforts. Inch'Allah, fais des efforts pour prier, pour t'écarter les péchés. Fais des efforts. Mais attention à ton amour. Attention à qui tu détestes et qui tu aimes. Il y en a, ils détestent les gens de la Sunna même, carrément parfois. Subhanallah. Il y en a, ils détestent les gens de la Sunna. Et ils aiment les koufars. C'est des musulmans. Hein. Ce qu'il en reste, en tout cas, Wallahu a'lam de leur cas. C'est grave. Peu importe ton cas, toi, personnel, tu te dois d'aimer les pieux. Et c'est ça aussi qui te rattache à un espoir de pouvoir t'en sortir. Parce que comment tu les aimais, ces gens-là? Allah le sait, ce qu'il a dans ton cœur, et le détester, ceux qui ne le sont pas, donc les impies. Naam. Et encore une fois, je le dis, parce qu'à chaque fois que j'emploie des mots, vous savez, le contexte politique et tout, il faut toujours qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Et je le fais, parce que faire la darwa, c'est une chose. Vous savez très bien que j'ai jamais omis aucun sujet, je ne me cache pas, j'emploie les mots, on n'a pas peur, notre darwa est clair, mais il faut toujours être le plus clair possible. On dit on déteste les impies, c'est pas on prend une pelle, un coup de couteau, on les zigouille et on les enterre. Parce que c'est ce que si personne du FN, par exemple, mal intentionné, voudrait faire en coupant mes propos, elle aurait fait ça. Elle aurait dit regardez, on doit aimer les pieux et on déteste les impies, donc les infidèles. Donc détester pour eux, c'est... Non, je les déteste en Allah. J'aime pas leur religion, j'aime pas leur mode de vie, j'ai quand même le droit d'aimer et détester des gens. Je fais encore ce que je veux. Mais je leur touche pas un cheveu par Allah, pas un cheveu. Je leur fais pas une once d'injustice et on le redira toujours. Pas parce qu'on a peur des koufars, parce que c'est notre din, c'est la sunna de dire comme ça. C'est comme ça que nous apprennent les savants. Ça veut pas dire qu'on les aime, on les déteste. Mais, il passe, il me dit bonjour, je lui dis bonjour. Il me fait pas de mal, je lui fais pas de mal. C'est un ramadan, je lui rapporte même un plat pour lui faire da'wah, pour lui montrer qu'on a un bon comportement. Alors comment ça, je vais lui faire du mal ou Allah, j'ai rayé ni sa voiture, ni je lui arrache un cheveu, ni je lui fais un regard méchant en passant. Rien. Donc, entre le... Nous sommes au juste milieu. Entre la haine excessive, la violence et le terrorisme, Khawarij, Takfiri, Daesh, Al-Qaïda et compagnie, et consorts, et le laxisme des Mourjia, et ce sont nos frères, et on est tous ensemble, et je les aime, et j'ai même marié ma fille à un mécréant, et alors, on est en 2017, et alors, la hijab, la salat, la siyam, et sa fille, elle est, mashallah, elle est pieuse, il dit. Allah rafour rahim, quand il dit, Allah irrahma, sa fille, elle est morte pour irrahma, et elle faisait quoi ta fille? Rien, mais Allah rafour rahim, et il se raccroche là-dessus, là, trop grands espoirs, trop de laxisme, et de l'autre côté, trop de haine, trop de dureté, vous voyez, nous, on est au juste milieu. Fais des efforts dans ton deal, respecte les gens. Yani al-wala wal-bara, selon un juste milieu, un bon degré, ce sont les gens du paradis, Inch'Allah, ce sont les gens de la sunna qui fonctionnent comme cela. Donc, j'aime bien toujours clarifier, rapporter pour qu'il n'y ait aucun chariatine comme ça qui vienne couper des propos et après un jour je me retrouve sur BFM, et subhanallah, t'imagines, dis allume la télé, Qassim, ils ont coupé ta bande audio, ils ont dit que tu appelles à la haine. Non, mais on ne sait jamais. Ils ne pourront jamais le faire avec moi. Parce qu'il faut. Faut prévoir maintenant. Vous l'avez compris quand j'ai dit on déteste les impies. Mais eux, avec tout ce que je vois sur Internet et les propagandes FN qui circulent, et ils n'ont pas le talk aussi, on ne sait jamais. On sait jamais. Ils sont capables aussi de créer un compte, hein. Abdallah quelque chose, ils connaissent, hein. Karim quelque chose, il crée un compte, on ne sait pas c'est qui, il écoute, ou il va sur YouTube après, de toute façon c'est public, et puis voilà, et il déforme nos propos. Et vous aussi, vous devez vous expliquer de cette manière-là, toujours en clarifiant, d'accord? Toujours le détail. C'est pas comme font les takfiri, sortir des versets hors contexte et pour chasser les où que vous les trouviez, etc. Oui, c'était un contexte de bataille, c'était un contexte de guerre. Effectivement, dans la guerre, on va pas te dire, faites-leur des caresses. Donc c'est la guerre, en fait. C'est-à-dire que s'ils tuent ou je le tue. Donc oui, pour chasser les où vous les trouvez, oui. Où que vous les trouviez, tuez-les. Oui, effectivement. C'est la guerre, en fait. Dans un moment où c'est la guerre. Donc, à un moment donné, c'est moi ou lui. Et c'est une guerre historique. Non, eux, c'est tous les jours. Il est dans Intermarché. Non, wallah, vous allez rigoler parce que ça peut être risible. Il est dans Intermarché, lui, il croit, il est en guerre. Il est pour chasser l'eau, vous les trouviez. Lui, il a envie de prendre un couteau et d'aller égorger une grand-mère derrière le rayon Coca-Cola. Non, mais c'est vrai. La vérité, c'est que c'est ça. Et il est comme ça, le tacle dans sa tête. Lui, il l'a. Pour chasser, les versets résonnent. Pour chasser l'eau, vous les trouviez. Il a regardé une vidéo la veille avec des anachilles et tout un tas de bêtises et de cochonneries. Et ça résonne dans sa tête. Ils apprennent leur religion là-dessus, ces gens-là. Et il rentre dans un supermarché et il dit, c'est la guerre. Une fois, il y en a un, il est rentré dans Carrefour. Histoire vraie. Il a rempli un caddie. Il est parti en courant avec le caddie comme un voleur, comme un déchet qu'il est. Et il a dit, c'est un putain de guerre. L'enfant Akbar. Il rentre dans Carrefour, il a dit, c'est un putain de guerre, il a volé un caddie. Subhanallah. Et le faible niveau, quelle putain de guerre, quelle guerre, quelle... Juste parce que t'es pas foutu d'acheter un caddie de course, c'est d'être un misérable qui sait rien faire de ses 10 doigts et que, Allah, il lui a rien facilité parce qu'il est égaré.
Et donc il va voler. Il légifère le péché. Non, c'est grave. Hein. Et c'est grave. Ça peut même faire sortir de la religion, vous le savez. C'est lui qui rend licite quelque chose qu'Allah rend licite. En tout cas. Tellement ils sont ignorants, en tout cas. Pour la plupart d'entre eux, en tout cas. Et d'autres vendent la drogue. Donc ce sont des racailles, on ne dira jamais assez. On les déteste. Hein. Ils n'ont rien dans le ciboulot. Ils vendent de la drogue pour dire nous sommes en terre ennemie, donc on fait de l'argent par tous les moyens pour payer la hijra dans l'état béni islamique, l'état shaitanique en vérité, l'état de Satan. Ouais. Du coup, tous les moyens sont bons pour aller faire notre combat et tout. Donc, bref, il légifère tout. Donc ça, c'est de l'égarement. Et voilà, je voulais le reclarifier une fois de plus, même si vous le saviez déjà. Donc, revenons à notre livre. Excusez-moi si je suis long. Si on regarde bien, donc, les vers d'Ash-Shafiri laissent une lueur d'espoir pour chacun de nous et lui qui repose dans l'amour sincère qu'on peut porter à ses vertueux et à leurs œuvres. Cet espoir n'est pas une espérance vaine, mais une certitude établie par le véridique, le digne de confiance. Lorsqu'un homme va le trouver, il lui dit « L'homme aime des gens, mais il ne peut pas les rejoindre. » Et lui répondit, Aïssalatu wassalam, « L'homme est dans l'au-delà avec ceux qu'il a aimés. » Sahih al-Tirmidhi. Donc celui qui aime sincèrement les salir sera avec eux, même s'il n'a pas leur foi ni leurs œuvres. C'est dans ce même esprit qu'on a dit Al-Hassan, les gens nous ont devancés sur leur pur sang noir, alors que nous montons des ânes blessés. Ça aussi, vous le comprenez, c'est quand même métaphore, il faut voir loin. Les gens, pieux, nous ont devancés sur des purs sang noirs. C'est-à-dire, c'est quoi des purs sang noirs? Des chevaux qui vont très très vite. Donc, c'est-à-dire que vers Allah, ils vont très vite. Et nous, on est quoi? On est sur des ânes blessés. On titube, on pêche tellement qu'on est loin. On est en queue de peloton et en plus, on tombe. Et il répondit, si tu es sur leur voie, tu les rejoindras alors très rapidement. Si tu es sur leur voie, tu les rejoindras très rapidement, peu importe ta monture. Si c'est dans le livre, je ne sais pas ce sera quand, mais je me rappelle aussi, il disait, mieux vaut être. Mieux vaut quoi? Écoutez, être au fond de la caravane. C'est-à-dire, la caravane, ce n'est pas forcément la caravane des gitans, hein, ce n'est pas forcément le camping-car. La caravane, quand on dit une caravane, d'ailleurs, les caravanes qui allaient jusqu'à Mecca, c'est un convoi avec des chameaux, des gens qui marchent, c'est ça une caravane. D'accord, quand on dit le chien aboie, la caravane passe, c'est pas la caravane camping-car et équipée tuning, c'est pas ça. La caravane passe, c'est-à-dire les gens, le convoi il passe en fait. Le chien il aboie, mais la caravane passe, c'est ça que ça veut dire. S'il faut l'expliquer, il y a des gens qui peuvent me dire, mais c'est quelle caravane qui passe, elle est comment et tout. C'est marrant. Et donc, cette caravane-là, si t'es dans la caravane en vérité, pas dans le camping-car, mais dans la caravane, dans le convoi, peu importe si t'es en queue de peloton ou devant, t'es sur cette voie. Enfin, peu importe. Non, c'est mieux d'être devant. Mais estime-toi heureux d'être dans la caravane. La caravane de quoi? Du Manhaj al-Salafi. Donc t'es pas au niveau des Shafiri, même pas Sheikh Fawzan. Hein? Peut-être même pas au niveau de l'étudiant que t'écoutes les cours tous les jours ou Allahu A'lam. Mais toi, t'es sur cette caravane-là en tout cas. Voilà. Peut-être t'es dans les derniers, mais alhamdulillah. Tu les rejoindras. Naam, quoi qu'il en soit. On peut lire donc cet ouvrage de plusieurs manières. On peut le lire pour se délecter et s'émerveiller, comme je vous disais, devant la beauté de leurs paroles, leur sagesse et leurs œuvres. Mais en quel cas le profit n'en sera que minime. On peut aussi le lire pour s'inspirer, faire sien le souffle de vie qui touche le cœur de tout croyant sincère à la lecture de ces bribes de la vie de nos pieux prédécesseurs. C'est-à-dire, on peut le lire juste comme ça pour passer le temps, entre guillemets, et s'émerveiller. Waouh, mashallah, Allahu Akbar, qu'est-ce qu'ils étaient pieux. Bon, khalas, c'est absolument pas haram, c'est du khair, on évoque Allah, on évoque les gens pieux, c'est bien. Mais le mieux, c'est de s'en inspirer. Naam. C'est uniquement de cette manière que le prétendu amour qu'on leur témoigne portera ses fruits et influera sur nos existences. Parce que c'est dire de les aimer juste en s'émerveillant devant leurs paroles. Non, comme on dit, il y a une phrase très connue ici, en France, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Vous la connaissez? Il n'y a pas d'amour, mais il n'y a que des preuves d'amour. Dis-moi je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça, c'est quoi ça, je t'aime? Aime-moi, montre-moi que tu m'aimes. Fais les efforts. Prouve-moi. Non. De même, on aime Allah, on aime Allah, on aime Mohammed, on aime Allah, on aime Mohammed, ce qu'ils disent tous les égarés. Tu fais quoi pour Allah et Mohammed, alayhi wa sallam? Rien. C'est que de la bouche. Là où ils font le maoulid. Et ils disent, ya Mohammed, une bid'a, ils chantent. Ça, c'est l'amour qu'ils témoignent une fois par an. Nice, la sunna, la salat, la siyam, la hijab, la qiyam al-layl, la ilm, abadan. Rien. Mais ils aiment. Ça, c'est du mensonge. Tu aimes ta femme et tu la trompes tous les jours. C'est du mensonge. Tu aimes ta mère, tu lui portes pas les courses, tu lui manques de respect, tu lui fais pfff, ou tu l'insultes. C'est du mensonge. De même, tu aimes les plus prédécesseurs, tu ne prends pas exemple sur eux, tu ne
médite pas leur comportement pour essayer de leur ressembler, c'est du mensonge. Non. Au moins l'hypocrisie, comme c'est lié au mensonge. Nam, donc c'est uniquement de cette manière que le prétendu amour qu'on leur témoigne portera ses fruits influera sur nos existences. Il faut donc lire, relire, s'arrêter, réfléchir, méditer, faire son examen de conscience, l'examen clinique de son âme agonisante, en portant le regard sur les sommets auxquels nos plus prédécesseurs sont parvenus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pour ça aussi que chaque phrase je la détaille. Hein, il faut lire, relire, s'arrêter, réfléchir. C'est pas juste je vais vous lire. Ça vous a plu, salam alaikum, c'était super. Ça sert à rien, ça. Ça, vous pouvez le faire. Achetez le livre et puis lisez-le. Et puis même, quand vous allez lire, ça va être encore mieux que ce que je vais faire là, parce que là, ce serait une bête lecture. Non, on lit, mais on dit on a bien compris ce qu'on a lu. On donne des exemples, on médite. Ça y est, c'est clair, faut qu'on avance dans notre tête. C'est pas faut qu'on avance vite dans le livre, c'est faut qu'on avance dans notre tête. Il faut qu'on s'améliore. Donc lire, relire, oui, s'arrêter, réfléchir et méditer. Et qu'est-ce que ça veut dire l'examen clinique de son âme agonisante, en portant le regard sur les sommets auxquels nos prédécesseurs sont parvenus? C'est-à-dire que nous, on regarde l'examen clinique de nos âmes agonisantes. Ça veut dire que nous, nos âmes, elles sont bonnes à la poubelle en vérité, tellement on fait de péché. Donc on doit regarder l'examen clinique, il est en gros phase terminale. Et on doit en tirer ce verdict. Bon, nous, phase terminale, laisse tomber. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se guérir? Prendre modèle sur nos pieux prédécesseurs, tout simplement. Parce qu'eux, ils sont à des sommets. Leurs âmes sont bien portantes. Même si, Arnie, ils sont morts. Ce sont les gens bien heureux, en vérité, hein, promis au paradis. Ceci donc, car tout homme a besoin de modèles et d'exemples pour cheminer, et même l'avant-garde de la caravane peut sembler loin à l'horizon. Il ne faut jamais la perdre de vue et s'écarter des traces qu'elle a laissées, car à trop porter son regard sur la médiocrité ambiante, on a tôt fait d'être trompé sur soi et les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ici? On revient à l'histoire de caravane, et non pas le camping-car. Cette caravane, donc avec garnie des chameaux, et des gens, et des roulottes, et des chevaux, et des ânes, et bref, tout un tas de gens comme ça qui avancent. Et l'avant-garde de la caravane, c'est qui? Salaf Saleh. Elle est loin à l'horizon, mais on ne la perd pas de vue. On voit Manhaj al-Salafi, on connaît, on voit c'est où, d'accord? Et on ne s'écarte pas des traces qu'elle a laissées, c'est-à-dire... Qur'an, sunna, qarara, qarara, rasoul, dalil. On s'écarte pas de ça. À partir du moment où on s'écarte pas de ça, alhamdoulilah, car si on regarde la médiocrité ambiante, c'est-à-dire quoi? Les bid'a, les bid'aï, les shirk, le kufr, tout ce qu'il y a aux alentours. Pourquoi? Il est dit, on a tôt fait d'être trompé sur soi et les autres. On va commencer à les aimer. Et puis si nous, le peu de piété ou de sunna qu'on a en nous, on va commencer à se sentir superman. Ah, moi, je suis sur tawhid, la ilaha illallah. Quand je vois qu'il n'y a que des koufars autour de moi, que des gens de bid'a, alhamdoulilah, je suis haut. Moi, je suis au niveau de Shafi'i. Haut, très très haut. Et la nuit, il ronfle. Moi, je me lève et je fais deux rakat la nuit. Subhanallah. Qiyam al-layl. Allahu Akbar. Non, en fait, c'est rien. D'accord? Donc, il faut regarder le top dans la religion pour ne pas se sentir émerveillé et prendre exemple. Et c'est dans la dunya qu'on regarde dans le médiocre. Et dans la bassesse. Et dans les gens plus tristes, plus malheureux, plus masakés. Pour... se dire alhamdoulilah de ce que j'ai. Vous comprenez? Et pas l'inverse. Il y a des gens, ils regardent dans la dunya au top et dans le din, dans les bas-fonds. Ils regardent ceux qui. Ils regardent les koufars et ils disent alhamdoulilah, je suis mouahid. Allahu Akbar, subhanallah. C'est quel raisonnement? Ou bien, des gens, pareil, moi je vais à la mosquée tous les jours, mais ils ne connaissent rien de la religion. Ils vont se comparer avec des gens qui n'y vont pas, par exemple. Enfin, certes, mais. Où tu veux en venir, par là? Par contre, la dunya. Tel star est là, lui est là, le footballeur est là, le rappeur est là, et le voisin est là, et la cousine est là, et le cousin est là, et là... Subhanallah, il est parti en vacances, il a telle voiture. Non, il a compris, il a pris le truc à l'envers, lui. Dans la dunya, on regarde ceux qui n'ont rien. Et dans le din, on regarde ceux qui ont tout. Sinon, on a vite fait, oui, d'être trompé sur soi et sur les autres. On va commencer à se sentir supérieur, et on a aimé les autres qui sont dans le mal. Ainsi, Abu Qilaba a dit, les savants sont comparables aux étoiles par lesquelles on se guide et les flambeaux que l'on suit. S'ils disparaissent, les gens sont hésitants et s'ils les délaissent, ils s'égarent. Très belle parole également, bien sûr, d'un pieux prédécesseur, à savoir que ben, ces savants-là sont des étoiles, des lumières. Hein, on se guide par rapport à ce qu'ils disent. On les suit, ce sont des flambeaux. S'ils disparaissent, et c'est pour ça que la mort des savants est le plus grand des drames, et quand ils disparaissent, les gens sont hésitants et s'ils les délaissent, ils s'égarent. Si tu délaisses le savant de son vivant, tu vas t'égarer. Tu n'avanceras pas tout seul. Et c'est ce que les gens de Bida, et en tête les takfiris qui disent, les savants du palais,
Et ceci, n'y allez pas vers eux, nous on va pas vers eux, nous on lit le Coran tout seul, on lit la Sunna tout seul, nous on se débrouille, on a compris c'est quoi le haqq. Regarde cette vidéo YouTube, regarde ce magnifique anachide, ne t'inspire-t-il pas des grandes phrases? Voilà comment ils apprennent leur din, Allah, Einstein, et ils disent aux gens, délaissez les savants, c'est pour ça qu'ils s'égarent. Et ils ont ce qu'on appelle la règle des 3T, d'accord? Avant de faire le takfir, ils font ce qu'on appelle le tenfir. J'ai un doute si c'est tafjir ou tenfir. Excusez-moi, je préfère être sûr. J'ai fait un cours là-dessus, j'ai un doute. Je sais que c'est tenfir, takfir, tafjir. Mais le tafjir, je ne sais plus si c'est le premier ou le dernier. J'ai un doute. J'aurais pu faire genre, attendez, je vais changer de sujet, je reviens, je vais le trouver en même temps. Mais je préfère vous le dire directement. Takfir, j'ai oublié, ça arrive, c'est à cause des péchés. Takfir. Tanfir. Voilà, c'est le tanfir en premier. J'avais raison. Donc, c'est le tanfir. Ensuite, il y a le takfir et ensuite il y a le tadjir, la règle des 3T, le lavage de cerveau des gens de Daesh en vérité. Le tanfir, c'est le fait de commencer à critiquer les savants, les gouverneurs bien sûr, et les savants des pays musulmans, notamment l'Arabie Saoudite. Là, ils sont corrompus, ils sont les savants du palais. Pour que quoi? Les gens s'écartent d'eux. Le tanfir, c'est ça. Faire détester les gens des ilm aux gens de la masse. C'est ce que font les gens de Daesh, les tanfir. Vous voyez, hein? Ils sont corrompus, regardez la serre et la main, tel et c'est les savants du palais, ils sont hypocrites, et ceci. Et la vérité chez nous, et eux, regarde, ils ont de l'argent. Bref, tout un tas de choses fausses, des ambiguïtés qui répandent, etc., qui n'ont rien à voir avec la vérité, pour duper les gens faibles de foi et de raison. Ensuite, après le tanfir, takfir, ils leur font le takfir, ils les rendent mécréants donc. Ce sont des koufars, savants du palais, à la botte des pétrodollars de l'Arabie Saoudite, enfin bref, vous connaissez le baratin. Takfir, après qu'est-ce qui reste? Quand tu les détestes, quand tu les as rendus mécréants, qu'est-ce qui reste? Tadjir, le chaos. Le tadjir, c'est le chaos, c'est la rébellion. Ils vont les tuer. Et ils tuent les musulmans, tout simplement. Voilà en vrai comment le chaos naît. Règle des 3T. Tanfir, takfir, tadjir. Retenez. Tanfir, takfir, tadjir. C'est toujours comme ça que ça marche. Et c'est ce qu'ils font en France ou ailleurs. Ou dans d'autres pays, quand ils recrutent. C'est toujours de la même manière. Donc voilà, si les gens, ils ont délaissé les savants, alors ils vont s'égarer automatiquement. Et si les savants disparaissent et meurent, les gens ils vont être hésitants, ils vont plus savoir où prendre leur religion. Même si c'était des gens attachés au haïm. Parce qu'à qui tu poses ta question? Cet ouvrage se veut donc un modeste recueil de quelques propos et de sagesse attribués aux pieux prédécesseurs. Pour ce faire, nous sommes inspirés de divers ouvrages connus à ce sujet, c'est-à-dire parmi les recueils des pieux prédécesseurs, Naam, qui sont eux-mêmes des recueils de récits tirés d'ouvrages de référence beaucoup plus volumineux. On a donc essayé de n'en garder que ce qui était le plus représentatif et le plus poignant. Et bien entendu, il existe en cela une part de subjectivité. Qu'est-ce que la subjectivité, c'est-à-dire c'est eux, comment ils l'entendent. Eux, ils ont dit que ça, c'était représentatif et poignant. Mais un autre savant, ou plutôt un savant, parce que ce ne sont pas des savants, les frères, mais une autre personne plutôt, ou un savant, ou moi, j'aurais dit non, dans ce livre-là, on aurait dû mettre ça. Subjectif, ça veut dire que c'est selon ton point de vue à toi, quoi. C'est subjectif. C'est-à-dire que ce papier peint, il est vraiment mieux que l'autre. Oui, c'est subjectif. C'est en fonction de ce que toi, tu viens, et comment toi, tu le vois, quoi. Moi, je ne le vois pas de la même manière, d'accord? Et il faut noter deux points importants en préambule, donc à la lecture de cet ouvrage. Le premier, c'est que les récits rapportés des salaf salir ne sont pas soumis aux mêmes règles d'authentification que le hadith. Ça, retenez-le, c'est très important. D'accord? Et les savants permettent de les rapporter, sauf s'ils comportent une chose réprouvable. Si ça appelle un shirk, un kufr, un bidah, ou quelque chose de macro, etc., ce serait... Non, on ne peut pas les rapporter ici. Ils rapportent que les choses pures et bonnes. Mais c'est pas soumis aux mêmes règles d'authentification dans la chaîne de narration par rapport aux hadiths. Les hadiths, il faut que ce soit très minutieux. Et il n'y a pas de marge d'erreur. Quand c'est daif, c'est daif. On l'a vu. D'accord? Les paroles des salaf salir, c'est pas pareil. C'est plus souple. Shirin El-Bani a dit, je me suis permis de rapporter quelques récits et propos dont la chaîne de transmission comporte une faiblesse ou une inconnue. Car ces récits ne sont pas considérés comme les hadiths attribués au prophète, A.S.A.L.M., qu'il est obligatoire d'adopter pour la religion, et ils ne sont mentionnés que comme témoignages. Naam, un récit de pieux prédécesseur, c'est pas un dalil. Je répète, c'est pas un dalil. Il y a des gens, parfois, pour te réfuter, soit dire que tu es en train de faire quelque chose, etc., même tu fais une sunna, ils vont dire tel pieux prédécesseur, il l'a dit, pour te contredire. Ou alors, il n'y a pas vraiment un nid de parole à ce sujet dans les hadiths, ils vont prendre une parole d'un pieux prédécesseur qui a dit ça. C'est pas un dalil. Tu peux pas te baser là-dessus, qu'il soit sahih ou qu'il y ait une faiblesse ou qu'il y ait un inconnu dans la chaîne de transmission d'ailleurs, même si c'est complètement sahih.
car ces récits ne sont pas considérés comme des hadiths attribués au prophète Hassan qu'il est obligatoire d'adopter pour la religion. C'est un témoignage, je peux t'en servir comme exemple. Mais tu ne peux pas arriver en disant que c'est une preuve ou en disant que c'est obligatoire de suivre cela pour la religion. Non. Et il y a un lieu, on ne dit pas que du coup on peut faire mentir les pieux prédécesseurs, pour les gens qui vont se poser la question, mais c'est que le prophète Hassan qu'on doit dire, être sûr quand on dit le prophète a dit. C'est très important. Il ne faut pas faire mentir le prophète Hassan. Si on se trompe sur un pieux prédécesseur, c'est moins grave. C'est ça que ça veut dire. Non. D'ailleurs, Sheikh Al-Bani, là, il parle qu'il a rapporté des récits de pieux prédécesseurs. Mais dans, il y a le livre qui s'appelle l'authentique des récits des prophètes ou autre, il y a des histoires de Bani Israël, donc le peuple d'Israël, etc. Des histoires parmi les chrétiens, etc. C'est retracé. Il y a des sources. Il y a des chaînes de narration. Il y a des règles d'authentification aussi. Mais c'est pas aussi pointu que le hadith. D'accord ? Donc ceci à l'exception des récits rapportés des compagnons, qui sont des preuves légales, selon l'authentique des savants. Donc là, les pieux prédécesseurs, hormis les compagnons. Là, on veut plus de précision, et on veut du sahir, car on peut se baser dessus pour faire un avis religieux. Ça, c'était le premier point qu'il fallait comprendre par rapport à ce livre-là. Le deuxième est qu'il ne faut rien adopter de ce qui, chez les pieux prédécesseurs, s'oppose au Coran ou à la Sunna. Car tout propos ou acte contraire au Coran ou à la Sunna n'est pas considéré, quel qu'en soit l'auteur. D'accord ? Il y a un exemple, il est très simple. L'exemple de Waqi'a. Waqi' ibn al-Jarrah, qui jeûnait continuellement et lisait complètement et intégralement le Coran chaque nuit. C'est pas correct. Il nous est interdit de jeûner continuellement. Et il nous est interdit de lire comme ça le Coran chaque nuit. C'est tous les trois jours. Al-Dhahabi, il a dit, il est rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner continuellement et de réciter intégralement le Coran en moins de trois jours. La religion est aisance. Et le suivi de la sunna est prioritaire sous toute autre chose. Qu'Allah agrée Waqi'a. Et où trouver un semblable à Waqi'a? Mais on accepte et on rejette de toute personne. L'erreur du savant n'est donc pas un exemple. Et on ne le blâme pas pour ce qu'il a accompli en faisant son effort d'interprétation des textes. Nous demandons à Allah sa clémence. Qu'est-ce qu'on comprend? Waqi'a, c'est un grand savant. Rahimallahu ta'ala, il n'y a pas de problème. Il s'est trompé là-dessus. Il a exagéré, il a fait son effort d'interprétation, il s'est trompé. On ne le suit pas là-dedans. On ne le dénigre pas et on demande à Allah, yani, lui pardonner, même le récompenser pour son effort d'interprétation. Hein? Non, mais si ça s'oppose, nous c'est le dalil. Qur'an sunna, si n'importe Abu Bakr il a dit quelque chose et Qur'an sunna ça contredit, je ne suis pas Abu Bakr. Même si c'est, oh mashallah, c'est une grande œuvre. Non, la preuve là, je n'ai continuellement, c'est pas un mal en soi, c'est des œuvres, mais c'est un mal parce que ça contredit la sunna. De même, c'est-à-dire lire le Qur'an intégralement toute la nuit, ça c'est un sacré pieux. Comment tu peux dire, entre guillemets, faire une mise en garde contre ça? On fait la mise en garde contre ça, c'est contraire à la sunna. Si tu commences à dire, ouais, c'est la sunna de lire le Coran intégralement la nuit, tu fais une bida. Il s'est trompé, il a été ardent dans l'adoration. Comme c'est un savant, lui, il est excusé. Maintenant, nous, on doit se référer aux preuves. C'est pas moi, je suis plus ardent que toi, je vais prier 5 rakat dans Vor. Je suis plus ardent que toi dans l'adoration là. Car nous, c'est clarifié, on a les preuves sous les yeux. Lui, il a fait son effort d'interprétation, c'était un savant, il s'est trompé par rapport à cela. Il n'a pas fait ça par passion. On n'a pas le mauvais soupçon envers les savants de la sunna, à savoir quoi? Qu'il a vu la preuve, comme quoi le prophète SLM a dit que c'était interdit de ceci et de cela par rapport au jeûne continu, ou bien alors à la lecture dans la nuit du Coran, et il a quand même transgressé des obéis au prophète. Et c'est un savant de la sunna. Non, on ne pense pas ça des savants de la sunna, sachez-le mes frères et sœurs. On se dit qu'il n'a pas eu la preuve. Il s'est trompé, il a fait un effort d'interprétation. Donc voilà, on ne suit jamais, même les plus grands, dans l'erreur. Puisse Allah faire de ce recueil un ouvrage utile et nous accorder de nous conformer à la voie des pieux prédécesseurs en toutes choses. Et il est certes celui qui possède cela et en est capable. Allah couvre d'éloges, salue et bénisse notre prophète Mohammed et sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons, radiallahu anhum, et tous ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la résurrection. Amin. Et on commence, Inch'Allah, donc voilà pour l'introduction, c'était quand même nécessaire pour bien qu'on comprenne ce qu'on va, Inch'Allah, lire et étudier. On commence avec donc le premier chapitre, c'est la sincérité envers Allah. La sincérité envers Allah. On demanda à Hamdoun el-Qassar, pourquoi les propos des pieux prédécesseurs sont-ils plus profitables que les nôtres? On voit que c'est des gens qui sont venus après. Puisqu'il dit que les nôtres, et il compare avec les pieux prédécesseurs, et il visait certainement Yarni et les compagnons. Il répondit, car ils ont parlé pour la gloire de l'islam et l'agrément du miséricordieux, alors que nous parlons pour la gloire des âmes, la recherche de ce bas monde et l'agrément des créatures. Allahu Akbar, et ça fait peur. Et c'est vrai. Les compagnons n'ont agi et n'ont parlé que pour yarni, élever l'islam. La gloire de l'islam et l'agrément du miséricordieux. Ne visaient que ça. Pas plus sincère qu'eux, pas possible. Pas possible. Et quand on dit nous,
Il y a eu des gens avant nous qui le pensaient et qui le disaient, mais nous, que dire de nous? En vérité, on parle pour s'élever nous. Par recherche de ce bas monde, parfois. Une femme, de l'argent, un métier, un statut. Et pour l'agrément des créatures, à elles-mêmes. À elles-mêmes, on fait des éloges. Et c'est pour cela qu'Allah nous préserve d'un tel comportement que la plupart du temps, on agit. À méditer. Abu al-Aliyah a dit, les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'ont dit, n'œuvre pas pour autre qu'Allah, sinon il te confiera à celui pour qui tu as œuvré. C'est-à-dire que si tu n'es pas sincère dans ton œuvre et tu ne l'avoues pas à Allah, Allah ne te donnera aucune part. Allah te donnera aucune part puisque ce n'est pas pour lui que tu œuvres. Il va te confier à celui pour qui tu as œuvré. Or, cette créature est faible, ne peut rien pour toi. Tu seras même peut-être avare, ingrate. Tu verras, tu seras confronté à ta bassesse en vérité quand tu verras, tu as été remis à une créature faible et non à Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Badil el-Uqayli a dit, celui qui vise Allah à travers son acte, alors Allah tournera son visage à lui, subhanahu wa ta'ala, et le cœur des serviteurs vers lui. Alors que celui qui œuvre pour autre qu'Allah, il détournera de lui son visage, à lui, subhanahu wa ta'ala, et le cœur des serviteurs. Ça veut dire, yani, que celui qui est sincère dans son intention, dans son acte, Allah il va le regarder, c'est-à-dire s'occuper de lui. Hein, tourner son visage vers lui, c'est-à-dire yani, être attentif à lui. Le préserver. Le préserver, c'est ce que ça veut dire. Et le cœur des serviteurs aussi seront vers lui. Il va être aimé des gens. Aimé d'Allah, aimé des gens. C'est naturellement parce qu'il a été sincère. Celui qui offre pour autre qu'Allah, pour les gens ou pour autre chose, Allah il va se détourner de lui. Il va se détourner de lui et le cœur des serviteurs, ça va être de même. Il va se faire détester des gens. Il sera seul, pas suivi. Nah. Pas aimé. Ce qui ne veut pas dire que c'est une règle absolue non plus. Voilà pourquoi on dit qu'on cite les vieux prédécesseurs, mais ce n'est pas une règle absolue. Parce qu'il se peut, comme on l'a déjà cité, l'imam al-Barbahari, celui qui a écrit Shara Sunna, c'est un livre, c'est une montagne. Ce savant, c'est une montagne, ce livre. Il a été persécuté par les gens à son époque. Persécuté par les gens égarés, et au final, il s'est caché durant la fin de sa vie, et il y avait 5 personnes à son enterrement. D'accord ? Et pourtant, c'est une sommité dans la science, un grand savant de la sunna. Donc, c'est pas une règle absolue. D'accord ? Tu peux être persécuté par les gens, et en guise d'épreuve. Mais de manière générale, il y aura toujours des gens qui vont t'aimer. Même si c'est après. Et le cœur des serviteurs aujourd'hui se tourne vers el-Barbahari par le fait. D'accord ? Donc, en quelque sorte, on peut le comprendre de cette manière-là. Fahmt ? Wallahu a'lam. Al-A'mash rapporte, Hudhayfa ibn al-Yaman pleura dans la prière. Et lorsqu'il eut fini, il se retourna et vit un homme derrière lui auquel il dit, n'informe personne de cela. Il ne savait pas. Il priait, il pensait être seul. Hudhayfa. Il a pleuré. Il se retourne, il voit un homme. Il s'est senti gêné. Il n'a pas dit, mashallah, il m'a entendu pleurer, alhamdoulilah, il pensait que je suis pieux là. Il a dit, et toi, jamais tu dis ça. Jamais tu dis ça aux gens. Je ne veux pas qu'on pense, ni de moi, que je pleure durant la prière, que je suis pieux, etc. Cacher ces hommes. Mohamed ibn Qasim a dit, j'ai côtoyé Mohamed ibn Aslam plus de 20 ans. Et je n'ai jamais vu accomplir 2 unités de prière surrogatoire, c'est-à-dire 2 rak'at nafila, autre que celle du vendredi. Autre que celle du vendredi. On sait que le vendredi, après, il y a des prières surrogatoires. Je l'ai entendu une fois jurer. Si je pouvais accomplir une prière surrogatoire en un lieu où même mes 2 anges, les scribes, ne me verraient pas, alors je le ferais, de peur de tomber dans l'ostentation. Subhanallah. Ça veut dire que, est-ce que Mohamed ibn Aslam, comme rapporte Mohamed ibn Qasim, est-ce que ça veut dire qu'il n'a jamais fait de prière surrogatoire? Là, mais il se cachait. On ne l'a jamais vu faire ça. Il y en a même des secrets. Ils ont des secrets dans la sainteté avec Allah. Tellement ils sont sincères, leurs épouses ne savent même pas. Même pas qu'ils pleurent. Même pas qu'ils ont mal parfois. Même pas qu'ils font des jeûnes surrogatoires. Bon, Ramadan, c'est différent. On le sait, c'est obligatoire. On ne va pas se cacher. Tu jeûnes, hein, je ne sais pas, je te dis pas dans Harlem. Mais des prières aussi. Se lever comme ça de la couche la nuit, la femme adore encore, il va, il prie. Ou alors il y en a, il pleurait sur son oreiller, l'épouse adore juste à côté, sur le même oreiller. L'oreiller, il est mouillé, il l'essuie un peu comme ça, il pleure, elle est même pas au courant. D'accord? Aujourd'hui, c'est tout juste si on prend pas un haut-parleur. Hein? Zaoudjati, je vais prier, hein? Je vais faire de rakat, hein? Tais-toi. Est-ce qu'on a besoin de savoir que tu fais le rawatib, par exemple? Est-ce qu'on a besoin de savoir? Non?
Donc là, lui, il l'a côtoyé. Hein. Mohamed ibn Qasim a côtoyé Mohamed ibn Aslam. Il ne l'a jamais vu faire les nawafil. Naam. Et il a dit, si je pouvais les faire, même sans que mes deux anges me voient, je le ferais, comme ça je ne tomberais pas dans l'ostentation. Il entrait dans un de ses appartements, dans un de ses appartements, pardon, et il fermait la porte. Si bien que je n'avais aucune connaissance de ce qu'il faisait, jusqu'à ce que j'entende un de ses jeunes enfants parler de ses pleurs. Lorsqu'il voulait sortir, il lavait son visage, s'appliquait du rôle, et on ne voyait plus les traces de pleurs. Il envoyait également des vêtements à des gens, et disait au porteur, fais en sorte que personne ne sache qui les a envoyés. Donc tout au sujet de la sincérité, voilà, cet homme, qu'Allah lui fasse miséricorde, Mohamed ibn Aslam, on apprend donc de lui, parmi, il rentrait, il fermait la porte, il ne voulait pas se faire voir, c'est ses jeunes enfants, c'est qui, ils ne savaient pas ce qu'il faisait, qui disaient, mon papa il pleure, mon papa il pleure, mon papa il pleure, c'est tout. Sinon, on ne le savait pas. Et quand il voulait sortir, c'est pas il sortait comme ça, comme il y en a certains, ils aiment faire. On voit, ils forcent la chose, comment dirais-je, la triste mine, ils vont faire, voilà, on sait qu'ils ont pleuré, des fois même ils pleurent devant nous. Non, lui, il avait son visage, yani, ce genre de maquillage, le rôle, c'est yani, le trait de crayon comme ça noir, sous l'œil pour bien paraître. Faut pas qu'on voit que j'ai pleuré pour Allah. Non. Et quand il envoyait des dons aux gens, il dit envoie, mais faut pas qu'on sache d'où ça vient. Je veux pas qu'on sache que ça vient de chez moi. Non. Al-Hassan a dit, j'ai connu des gens qui ne pouvaient accomplir une œuvre et l'afficher, car ils savaient que l'œuvre la plus préservée de Shaitan est celle accomplie en secret. L'un d'eux pouvait avoir des invités et accomplir la prière derrière eux sans que ceux-ci ne s'en aperçoivent. Subhanallah. Donc voilà, ces gens qui accomplissaient, ils ne voulaient accomplir aucune œuvre si elle était affichée. Nefs surrogatoire, bien sûr. Trop dangereux, trop risqué pour mon nefs. Ça peut basculer. Je vais me cacher à chaque fois. Parce que je sais que Yarni Shaitan, il pourra pas mettre la main, il n'aura pas la main mise sur cette œuvre accomplie en secret. Donc, alhamdoulilah. Et j'ai même des invités. Ce que ça signifie. Je vais y animer dans une autre pièce. Je dis, attendez, je reviens, je vais faire quelque chose. Personne n'est au courant que j'ai prié de rakat, par exemple. Yazid ibn Abdallah al-Shakir, Sharir, a dit, nous allions voir Amir ibn Abdallah alors qu'il priait dans une mosquée. Lorsqu'il nous voyait, il raccourcissait sa prière, se tournait vers nous et disait, que voulez-vous ? Et il réprouvait qu'on le voit prier. C'est-à-dire qu'il avait pour Nia Amir, rahmallah, de prier longtemps. Il voyait des gens qui rentrent, je vais la raccourcir, histoire juste, je ne vais pas sortir de la prière, mais je vais la raccourcir. Je vais faire juste ce qu'il faut pour qu'elle soit valide, Inch'Allah. Et il ne sait pas, il demande aux gens en les agressant, mais qu'est-ce que vous voulez, hein ? Qu'est-ce que vous voulez ? J'aime pas que je suis en train de prier, laissez-moi tranquille. Naam. On rapporte que lorsque quelqu'un entrait chez Ar-Rabi' ibn Khuzaym, et que le Coran était dans ses mains, il le cachait. Et j'ai le Coran dans les mains, je suis en train de faire donc cette adoration de la lecture du Coran. Quelqu'un rentre, je le cache. Il ne veut pas qu'on me voie avec le Coran. Abd al-Samad ibn Ma'qal rapporte. On demanda à Wahb ibn Munabbih. Ô Abu Abdallah, deux hommes accomplissent la prière. L'un prolonge plus la station debout et le silence. Et l'autre prolonge plus la prosternation. Lequel est le meilleur? Et il répondit à cela, c'est celui qui est le plus sincère envers Allah. C'est le même! Donc, yani, celui qui reste debout plus longtemps dans son PM, ou bien celui qui reste en prosternation plus longtemps, il n'y a pas un qui est meilleur, c'est celui qui est le plus sincère envers Allah qui est meilleur. De même, quelqu'un peut prier peut-être pendant une heure. Il n'est peut-être pas forcément meilleur que celui qui a prié que 10 minutes. C'est une question de sincérité, d'accord? On le comprend. Asim rapporte, lorsque Abu Wa'il priait chez lui, il sanglotait. Et si on lui avait offert tout ce bas monde pour qu'il agisse de la sorte, alors que quelqu'un le voit, il ne l'aurait pas fait. Donne-moi tout l'or du monde, je ne pleurerai pas devant les gens, et ni dans mon adoration. Abdallah ibn Abu al-Hudayl a dit, arriva l'heure de la prière et on demanda à un cheikh de s'avancer pour la diriger. Il refusa et on lui demanda, qu'est-ce qui t'a empêché de t'avancer pour présider la prière? Il répondit, j'ai craint que quelqu'un passe et ne dise, ils lui ont demandé de diriger la prière car il est le meilleur d'entre eux. Non, il avait peur qu'on pense du bien de lui, qu'on dise que c'est yani, le meilleur de toute l'assemblée. Il s'est dit, je ne peux pas supporter yani, un tel éloge. Imran ibn Khalid rapporte, j'ai entendu Mohammed ibn Wasi' dire, l'homme, donc lui-même en vérité, parler de lui, l'homme pleure depuis 20 ans, alors que sa femme est à ses côtés et ne le sait pas. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, il parle de lui quand il dit ça. Il dit, l'homme il pleure, mais la femme n'entend pas, il se vise. Hein? Je pleure depuis plus de 20 ans pour Allah et ma femme, yani, elle ne le sait même pas.
Mohamed ibn Wasi a dit, j'ai connu des hommes dont la tête était posée sur le même coussin que celui de leur épouse, voilà on y est, et qui mouillaient de leurs larmes ce qui était sous leurs joues, sans que leur épouse ne s'en aperçoive. Et j'ai connu des hommes qui se tenaient dans leur rang en prière et dont les joues ruisselaient de larmes sans que celui qui était à leur côté ne s'en aperçoive. Ton pleur, il est sincère. Ça sert à rien que les gens sachent que tu pleures pour Allah ou que t'es triste même si c'est pas une adoration quand t'es triste. Garde tes larmes. Mon frère ou ma soeur, c'est pareil. Il y en a des fois à la mosquée, on va pas aller juger les cœurs ou critiquer ou quoi que ce soit, mais est-ce que même on va aller leur parler à ces gens? Mais des fois, on sent que c'est exagéré. Parfois, c'est incontrôlable. Quand la foi, elle perce le cœur, elle transperce. Tu lis le verset, ça te touche, etc. C'est incontrôlable. Il se peut, parce que peut-être qu'on va me poser des questions après. Oui, mais certains récitateurs, oui, mais l'imam de la mosquée, une fois, il l'a fait. On ne connaît pas leur cœur. Hein? Quand c'est le récitateur, on sait qu'il a un bon niveau, etc. Quoi que ça ne veut rien dire, la preuve, parce que les pieux prédécesseurs se cachaient, on ne sait pas. Parfois, c'est sincère. On ne retient pas le pleur. Si il est sincère, la baisse, il n'y a pas de mal. Il n'a pas fait exprès. Il a pleuré. Et si c'est voulu, seul Allah sait, puis la personne, elle sait où elle en est dans son attention. Non. Al-Kharibi, il a dit, les pieux prédécesseurs recommandaient que l'homme ait une œuvre pieuse cachée, dont ni son épouse, ni personne d'autre n'a connaissance. Donc ça, c'est un conseil, c'est une faïda pour nous tous. Ayons au moins une œuvre, si c'est pas plus, cachée. Personne n'est au courant de cette œuvre-là. Peut-être c'est une salat, peut-être c'est un jeûne, peut-être c'est une sadaqa, peut-être c'est une lecture. Allahu a'lam, personne ne sait qu'on fait ça. Très important. Ahmed ibn Hanbal, l'imam Ahmed, donc, a dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a élevé Ibn al-Mubarak qu'en raison de la crainte d'Allah qu'il éprouvait. C'est donc la crainte d'Allah et la sincérité qui fait qu'on est élevé. Ayyub Essar Tiani priait la nuit et le cachait. Et au matin, il élevait la voix comme s'il venait de se lever. Donc il ne disait pas, j'ai prié, je suis fatigué, cette nuit je me suis levé. Ou même sans le dire, je suis fatigué pour faire, peut-être sous-entendre ou qu'on s'en doute. Dans le matin, en pleine forme. Je lève la voix, je bouge, tout va bien. J'ai bien dormi cette nuit, alhamdoulilah. Omar ibn Thabit rapporte, lorsque Ali ibn al-Hussein décéda, on le lava et on vit sur son dos une trace noire. Et des gens demandèrent, mais qu'est-ce que cela? Qu'est-ce cette trace noire? On leur répondit, il portait des sacs de farine de nuit sur son dos et les distribuait aux pauvres de Médine. Subhanallah. Personne donc n'était au courant de cela. Comme on a appris dans la biographie de Cheikh ibn Baz, dans l'introduction des leçons importantes, toutes les œuvres cachées qu'il a fait. Rahimallahu ta'ala. Ja'far ibn Zayd al-Abdi rapporte, un homme passa devant un groupe de personnes qui firent ses éloges, et en les lui faisant entendre, et toi ceci, et toi cela, et mashallah, lorsqu'il les dépassa, il s'arrêta, il tourna son visage vers le ciel et il dit, oh Allah, si eux ne me connaissent pas, toi tu me connais. C'est-à-dire, Allah il dit, je suis pieux, les éloges, Allah toi tu connais, moi je suis un misérable, Allah toi tu me connais. Ah, donc ne tiens rien, sache que je ne tiens pas compte de ce qu'ils disent, moi je sais qui je suis. Al-Hassan, il a dit, lorsqu'ils se réunissaient pour le rappel et qu'une larme venait à l'un d'eux, il la retenait. Puis si elle revenait, il la retenait de nouveau. Et lorsqu'il craignait de ne plus pouvoir la retenir, il se levait et s'en allait. Les gens, pieux prédécesseurs, préféraient, dans un cercle assis, partir, n'est-ce pas? Partir plutôt que de lâcher une larme devant les gens. Waqi', on a parlé tout à l'heure, il a dit, interroger alors que l'on comprend est une forme d'ostentation. Interroger alors que l'on comprend, en gros ça sert à rien d'interroger, une forme d'ostentation. Hein, c'est pour t'afficher, c'est pour te mettre en avant. Si tu as compris tout ce qu'on a dit, rien ne sert de poser une question. Tu poses une question quand tu n'as pas compris. Pas pour montrer que tu as compris. Ah donc là c'est bien ça, donc ceci, cela, tu sais très bien quand tu as compris déjà, tu n'as pas de doute. Mais tu veux montrer aux gens à l'assemblée, Ernie, j'interroge. Donc là, on est bien d'accord, c'est ça ou ceci et cela, ou alors ramener ta science sur un autre sujet. Ça, c'est pas des choses à faire. On voit des fois dans les assises, il y a des cours avec nos grands frères, prêcheurs, etc., dans telle ou telle mosquée. Et parfois, ils lèvent la main, ils prennent la parole pendant 5 minutes, 10 minutes, ils te racontent des choses, ils questionnent le chier ou le frère, et c'est long, etc., et ils ramènent des choses. On sent qu'il veut. C'est pas juste, chier, j'ai pas compris ça, tu pourrais m'expliquer, khlas. Parce que vous savez, il y a ça, et donc ça, ceci, cela, et donc par rapport à lui, par exemple, on dirait, et il y a Naam, et Sofiane ibn Uyayna, il a dit que Nana, donc du coup, c'est inutile. C'est inutile. Parle-en, si tu veux développer des choses, parle-en avec le chir à la fin, mais c'est inutile comme ça de parler devant les gens. Naam.
Ayoub el-Sakhtiani était sensible et il pleurait. Mais il aimait cacher cela à ses compagnons, si bien qu'il tenait son nez, comme s'il était enrhumé, et lorsqu'il craignit de fondre en larmes, il se levait. Il faut plus. Un autre récit, c'est un homme qui accomplissait chaque année le pèlerinage à pied. Et un soir, alors qu'il dormait sur son lit, sa mère lui demanda à boire. Et il lui fut pénible de se lever, pour apporter donc de l'eau à sa mère. Et à ce moment, il se souvient de ses pèlerinages accomplis à pied qui ne lui causaient aucune peine. Il fit alors son examen de conscience et constata que cela ne lui était pas pénible en raison du fait que les gens le voyaient faire le pèlerinage et le louanger. Il sut alors qu'il était dupé. Hein? Quand ta mère te demande quelque chose, la personne te voit, ça te pose, c'est de la pénibilité. D'accord? Mais pas pour les, quand t'es vu des gens. Et à ce propos, je vais vous raconter quelque chose. Il y a un livre dont Inch'Allah, je pense avoir fait aussi mon examen de conscience. Et Yarni, c'est même pas du din. Mais pour vous dire comment le regard des gens peut influer, le sport. Je vais pas à la salle, j'ai jamais été dans ces bêtises-là. C'est assez mixte. C'est ceux qui vont à la salle de sport, je me demande comment ils font, parce qu'il y a plein de femmes partout. Tout le monde est là, comme ça, en petite tenue, comme c'est un carnage. Non, non, moi c'était dehors. Je courais. Yarni, plus motivé, en courant, notamment sur des bords de Seine ou en ville, vu des gens, à croire que ça te donne une impulsion, je sais pas pourquoi, c'est complètement stupide, que tout seul dans la forêt. Pourquoi? C'est quand Yarni, tu fais ta chose et t'attends quelque chose du regard des gens. C'est un moteur, c'est un boost. De même, cet homme n'avait pas de peine à accomplir Hajj sur Hajj, il en a accompli plusieurs fois, mais Yarni levé pour aider l'eau à sa mère, personne ne le voit, c'est difficile. Vous comprenez? Vous avez compris? Moi, c'était même pas du din, c'est de la dunya. J'ai compris ça, après je me suis dit, maintenant, Inch'Allah, si je fais, c'est dans la forêt ou c'est autre, c'est du vélo ou de la course à pied, il ne faut pas que les gens me voient, ça ne sert strictement à rien. Là, c'était même pas sur une adoration, mais je me suis rendu compte de cela. J'aime courir parce que peut-être cette chose-là, Yarni, ça me donne le fait d'être vu, ça me donne de la motivation. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Si tu le fais, donc moi, en l'occurrence, là, je le fais pour moi. Je fais mon sport pour moi, pas pour être vu, c'est débile, ça sert à rien. Ça sert à quoi en plus? Pourquoi faire? Voilà. On fait tous des erreurs, on a tous eu peut-être des comportements plus ou moins, et certains, beaucoup de frères, désolé, hein. Les sœurs, déjà, c'est même pas une question, peut-être n'ont pas à y aller. Beaucoup de frères qui vont à la salle, c'est pas pour m'acharner, mais faites quoi là-bas, les frères? Si avec des hommes, déjà, pour montrer que t'as les plus gros muscles et que tu fais si, fais des choses chez toi, tu vas me dire, ouais, mais j'ai pas les instruments chez moi. Et après, aujourd'hui, t'as même pas besoin d'avoir un abonnement dans une salle. Tu vas justement en forêt ou quoi, tu fais, on appelle ça le street working ou je sais pas quoi, tu peux te muscler et faire des choses pour pas un rond sans abonnement à la salle. Bon. En admettant qu'il y ait des hommes, que des hommes et que tu sois motivé sur l'intention, c'est ton corps, là tu sculptes ton corps, tu t'entretiens. Admettons. Il y a que des femmes. Il y a que des femmes. Donc forcément, sans compter les regards, te faire voir aussi comme quoi tu es ceci ou cela, je trouve ça hyper dangereux, surtout pour des musulmans. Ouais, fuyez les salles de sport. En plus, il y a de la musique. À moins que tu me dises que ce soit une salle salafi, moi, Charles, forcément, avec tout qui est en règle, j'en doute. La plupart du temps, il y a du rap, il y a ceci, il y a cela. On me demande ce que les musulmans font dans tel endroit. Et même si ce n'est pas une adoration, c'est bourré d'ostentation, en vérité. Wallah, c'est bourré d'ostentation. C'est comme les grandes tablées de Ramadan. Tous les plats sont photographiés, tout ceci, tout cela, tous les soirs, et ils surenchérissent parce que l'autre, elle a posé une photo, il y a plus de Marc Roth et de Krabbelouz et de compagnie. On va faire encore pire. Et les plats, et le couscous, et le tagine, ça sert à quoi? Tu vas moins bien manger si les gens n'ont pas vu ta table. Ce sera moins bon. Allahu Akbar, qu'Allah nous guide, en tout cas. Soufiane ibn Uyayna a dit, un jour j'ai été touché, j'ai pleuré, je me suis dit, si un tel de nos compagnons était là, il aurait été touché lui aussi. Puis je me suis assoupi. Et quelqu'un vient me trouver dans mon sommeil, me donne un coup de pied et dit, oh Soufiane, prends ta rétribution de celui dont tu voulais être vu. Là. Hein? Prends ta rétribution de celui dont tu voulais être vu. D'accord? Ça a été donc, il l'a fait exprès. Regarde. Donc il a donné un coup de pied. Il a donné un coup de pied. Prends ta rétribution de celui que tu voulais être vu. Tu voulais que je te voie. Voilà. J'étais vu. Nah. Malik ibn Dinar. Depuis que je connais les hommes, je ne me réjouis pas de leurs éloges et ne réprouve pas leurs blâmes. On lui demanda pourquoi cela. Il a dit, car celui qui loue exagère et celui qui blâme exagère également. Donc, d'autres savants, même contemporains, je me rappelle, Cheikh Rabir, il disait, tu ne dois pas tenir compte des compliments des gens, et ni de leurs critiques. Tu te connais mieux. Tu sais ce qui est critiquable, tu sais ce qui pourrait être louangeable. Et encore, la hawla wa la quwwata illa billah, toute la louange, la grâce appartient à Allah, c'est lui qui nous facilite les œuvres. Mais, il n'y a pas
à se réjouir des éloges des gens. D'accord? Parce que quand ils disent des choses, ils te connaissent pas vraiment au fond et ils exagèrent dans leurs compliments. Puis quand ils te critiquent, c'est pareil. Ils ont pas les tenants, les aboutissants, comme on dit. Donc, c'est de l'exagération aussi, ils sont pas très justes. Donc, ça a rien de s'attrister pour leurs critiques. Non. Bishr ibn al-Harith, pardon, a dit suffit comme flatterie de l'âme que tu la blâmes devant les gens. Comme si tu cherchais à l'embellir en la blâmant. Et c'est là une manière de l'enlaidir auprès d'Allah. Si tu blâmes ton âme, blâme-la, yarni, en sujoud. Blâme-la en pleurant tout seul dans une pièce. Oh Allah, pauvre de moi et ceci, je suis mauvais, etc. Mais dire devant les gens, t'es comme ci, t'es comme ça, pour te rabaisser, pour ceci, cela, être modeste devant les gens, c'est bien sûr, sinon le contraire serait de l'avantardise. Et moi je suis comme ça, non, on dit, nous on est tout petit, ça c'est sûr. Mais blâmer son âme, et tu es mauvais, t'as fait ceci, et pourquoi t'as fait ça, et yarni, je suis comme ça, qu'est-ce que je suis mauvais, qu'Allah me pardonne. C'est trop. Raconter une anecdote pour enseigner, comme j'ai pu faire à 2-3 reprises, c'est permis. Allez, là, je me suis trompé, du coup, vous voyez, je vous enseigne que je me suis trompé, je me suis rectifié. C'est pas réellement un blâme. Hein. Mais c'est vraiment, yarni, ça rentre dans la flatterie de l'âme de se flageller devant les gens, en vérité. Voilà, si tu te flagelles, fais-le tout seul. Non. Al-Rabi' ibn Sabih rapporte, un jour, Al-Hassan adressa une exhortation et un homme, yarni, un homme pleura et gémit suite à l'exhortation. Al-Hassan lui dit alors, par Allah, Allah t'interrogera sur ce que tu as visé par cela. Hein? Je t'exhorte, yarni, et toi, tu pleures comme ça. Pourquoi? Pourquoi tu pleures? Allah va t'interroger. Mohammed ibn Yusuf al-Firyabi rapporte qu'il a entendu al-Thawri, Sufyan al-Thawri, naam, dire « Il n'y a pas d'œuvre meilleure que l'étude du hadith, si l'intention est saine, bien sûr, en cela. » Ahmed dit « J'ai demandé à al-Firyabi ce qui était l'intention. » Il répondit que tu vises par cela la face d'Allah et la demeure de l'au-delà. Donc, l'étude du hadith, il n'y a pas meilleure œuvre, naam, si l'intention est bonne. Et donc, l'intention bonne, c'est que tu vises la face d'Allah et la demeure de l'au-delà. Si tu vises le paradis et tu dis le hadith, il n'y a pas meilleure œuvre. Si tu vises autre chose, même l'étude du hadith, ça peut devenir un mal pour toi. Naam. Al-Fudayl ibn Iyad a dit, si on te dit faux dévot, c'est-à-dire en gros, tu mens, tu n'es pas un vrai adorateur d'Allah, tu mens, tu fais le cinéma. Et là, si on te dit faux dévot, alors tu te mets en colère. Et cela, t'es pénible. Comment ça me critique? On me dit, je suis un pion. On me dit, je suis un tocard. On me dit, je suis un menteur. C'est pas possible. Pas possible que cela soit vrai. Ce qu'on m'a dit, ça me fait du mal. Car tu t'es paré pour ce bas monde. Tu feins, tu raccourcis ton vêtement et tu embellis ton apparence afin que les gens disent que tu es un adorateur, qu'ils t'honorent, te regardent, viennent à toi et te fassent des cadeaux. Donc, yarni, qu'on te dise faux dévot, ça devrait même pas te toucher. Peu importe ta tenue, comme toi, tu te connais. Tu sais où t'en es dans ton adoration avec Allah. Il y a probablement du vrai d'ailleurs. Qui d'entre nous est un excellent dévot? Qui est dévoué à Allah, yarni, correctement? Mais ne pas se mettre en colère comme ça face aux insultes, aux critiques de style. Non, il y en a pour qui ils se mettent en colère, c'est pénible, on leur a dit ça. Parce que ce sont des gens, yarni, les soufis le font comme ça, ils se partent pour le bas monde. Ils font des choses, yarni, ils s'embellissent, ils forcent l'ascétisme, d'accord? Faire exprès de se faire voir, rester dans des endroits, faire des vicres excessifs, ou bien, vous comprenez, des fois ils font la bidara en faisant en groupe, etc. Pour que les gens disent qu'ils sont de grands adorateurs, qu'ils soient honorés. Certains, ben, effectivement, aussi, ils leur font des cadeaux et tout, ou ils sont privilégiés, ils ont des places privilégiées à la mosquée. Dans la fameuse mosquée, maintenant, vous la connaissez, vous connaissez ma vie, je ne fréquente plus. Ils ont des créneaux, et c'est eux qui ont les clés de la mosquée. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Eux, ils peuvent faire du shirk et des bidara. Nous, on n'a pas le droit de s'asseoir pour lire Kitab al-Tawhid. Voilà. J'ai rien à faire dans une mosquée pareille. Personnellement, ça me noircit le cœur plus qu'autre chose. Il y a eu moult presque bagarre. Donc ça sert à rien. Autant rester dehors. Rester sous mon lit. Alhamdulillah. Sur mon balcon. Voilà, des gens qui vont faire cela. Ou alors aussi, désolé, hein, mais des salafis. Ou des salafis avec les petits guillemets. Le qamis impeccable. Custom qamis, machallah, avec les boutons de manchette, la barbe peignée, le muscle cibouk, la chéchia blanche assortie, avec les chaussettes qui remontent jusqu'au genou, vous comprenez? Parure totale. Je critique pas la parure, hein. C'est machallah. Mais c'est trop embelli l'apparence, alors qu'en vérité, tu fais que du haram, par exemple. T'as aucune science. Et tu veux que les gens, quand ils te voient, il y a un amour, ils t'honorent, ils disent machallah, ils te serrent dans les bras, c'est un frère salafi, il est beau, elle marie à telle sœur, etc. C'est trop, c'est excessif. Et si on lui dit, t'es un tocard, t'es un menteur, il va se mettre en colère. Il faut en fait qu'on... comment dirais-je, je cherche mes mots pour bien vous expliquer. Le contenant
Le contenant, c'est la bouteille, c'est important. Mais le contenu est plus important. Bien sûr, il y a un nid, sarouel, le kamis et tout, naran, le muscle, tout ça, c'est des bonnes choses. Mais tout miser là-dessus alors que son intérieur, il est pourri, mais à quoi tu sers, mon frère? À quoi ça sert? Tu vois, à des frères, hein. Attention, c'est pareil pour les sœurs, hein. C'est pareil pour les sœurs, hein. Et le sitar, et les rappels, et mes sœurs ceci, et les femmes pieuses. Dans mon Stein, on avait expliqué, je crois, c'était il y a un an ou un an et demi, des frères qui étaient choqués et tout, des sœurs qui envoyaient des photos d'elles en lingerie, etc. Tu vas voir sur le compte et tu vois marqué, tu vois la photo en sitar. Déjà, qu'est-ce qu'il y a une photo, mais tu vois le sitar, tu vois les salafis de Montréal, et tu vois, Donc, si l'intérieur, il est pourri, faut changer l'intérieur avant les styles, d'accord? Sinon, c'est ça, c'est un faux dévot. Il s'embellit comme ça. Pour les gens, il fait genre que, il y en avait même parmi ces gens-là, là, comme je dis, hein, les gens montrent l'apparence qui prient même pas. Alors, le Khamis, la barbe, le sitar, peut-être s'il fornique. Peut-être ça envoie des photos à Aouzoubillah. Ça prie même pas. Et même s'il forniquait, mais qu'il prie. Ça prie même pas. Mais c'est devenu une mode, le Khamis blanc éclatant. C'est devenu une mode, le niqab, même si une fitna et c'est haram, mais le sitar, en tout cas, voilà, ils se mettent avec des voiles, et nous sommes des femmes pieuses, et akhawat, ceci. Wallahi, la femme musulmane salafiyat, vraiment intelligente, la vraie pieuse, hein. Elle parle pas de tout ça, elle poste pas ses photos, elle est pas dans ses groupes de débiles, elle est pas dans ça. Wallahi, elle prend ses cours, elle s'occupe de ses parents, de son mari, elle s'occupe de ses enfants si elle en a, elle prend son ilm, Wallahi, elle fait pas la frivole sur internet, Wallahi, c'est ça les sœurs qu'on aime. C'est ça les sœurs qu'on aime et qu'on leur souhaite un bon mariage. Il y en a, c'est des pestes. Il y en a, c'est les égarés qu'Allah les guide. Il y en a, c'est que du vent. Et c'est que du simagré. Et c'est que pour ce bas monde. Wallahu a'lam. C'est ça les faux dévots, yani, qui forcent les choses pour qu'on leur dise. Tu vas leur dire, oui, et tarque la raza au gel, repends-toi. Ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Et on dira, ah, tu m'as blessé, tu m'as humilié. C'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs quand j'avais fait Nasira à quelqu'un de Nasira. Un coup de bâton qui avait été donné. Parce qu'il fallait que ça cesse. Et des coups de bâton, on peut s'en donner aussi à soi-même parfois. Attention, c'est pas que sur les gens. Mais Yanni, quand j'avais dit ça à la personne, oh, ouais, tu m'as humilié, tu m'as fait du mal, etc. Voilà. Donc elle se met en colère. Ça lui est pénible. Je me rappelle une phrase que cette personne m'avait dit. Mais moi, Yanni, je suis écarté de péché. Je fais tout mon mieux, je fais tout mon maximum. Tu vois, en vérité, il y avait des choses, c'était aberrant. Je ne priais même pas. Sauf la prière, en fait. Et tu sais que selon la majorité des savants, celui qui ne prie pas, il est mécréant. Oui, non, mais d'accord. Tu nous dis, Souleymane Eliti, il a dit, Salafi de Montréal, Yanni, le sitar ceci, le Khamis cela, et Mashallah, et la Sunna, où est ta salat? Et tu me dis, oui, mais j'ai encore un petit détail à régler dans ma réforme. Non. Peut-être, sûrement kafir pour la plupart des savants. Quelle réforme? Convertis-toi à l'islam déjà pour commencer, vous comprenez? Et derrière tout ça, tout un lot d'apparence et tout, et ils sont tristes quand tu leur mets un coup de couteau justifié pour le coup en leur disant réveille-toi. Et ils sont très très tristes. Donc, pour faire bref, il faut qu'on soit beau à l'intérieur avant d'être beau à l'extérieur. Et même si on est beau à l'extérieur, regardez-le pour nous, ça sert à rien comme ça de l'afficher partout. Et maintenant, ils tiennent des blogs, et surtout les femmes, c'est une fitna. Arrêtez de poster des photos de voile. Et même si c'est pas vous, arrêtez ça. Si c'est pas vous, le faites pas. Et si c'est vous, le faites pas. Arrêtez ça. Arrêtez ça de montrer de ceci, ça sert à rien. Le but de voile, c'est de vous couvrir. Et ne comparez pas ça encore avec un homme. Oui, mais un savant, il a mis une photo et toi, passé une fois, on t'a vu sur une vidéo, ça n'a rien à voir. Quand je sors dans la rue, je suis avec, j'ai un voile intégral, moi. Là. Toi, oui, tu es censé l'avoir. Ne compare pas, ma sœur, une femme et un homme. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Et puis, il y a l'homme aussi, après, ça dépend. S'il s'affiche torse nu en montrant ses muscles et qu'il fait genre, j'ai mis de l'huile de mon oeil et tout. Non, là, on n'est pas dans. Vous comprenez. Mais si y a un homme, il face à une caméra, il parle, compare pas, ma sœur. Il parle, il a un message à dire, il fait passer quelque chose, il n'y a pas de mal. D'accord? Parce qu'on le voit dehors, son visage. Enfin, toi, toute la femme est nudité. Donc il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de réformes là-dessus. Je sais qu'il y a des sœurs, elles sont au point là-dessus, et c'est bon, classe. Elles sont plus dans ces. Ou elles n'ont jamais été dans ces idées-là. D'autres, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Et c'est une forme d'ostentation et d'hypocrisie que de mettre son voile comme ça sur les réseaux. Pour qui tu le mets ton voile? Pour qui tu te couvres, ma sœur? Pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Ou pour que les gens disent « Ah, machallah, les pieuses », ou que les frères t'envoient des DM, on appelle des messages privés. C'est ça ou pas? Machallah, la sœur. Déjà, moi, je ne peux pas dire « Machallah, la sœur » puisqu'elle s'affiche. Machallah, la sœur, c'est qu'on ne voit aucune photo d'elle. En vérité, elle est plus séduisante.
puisqu'elle est plus pieuse. Si tu es dans la mentalité du pieux, tu dois raisonner comme ça. Eh, machallah, la sœur, compte privé, aucune photo, khlas, très peu d'abonnements, machallah, la sœur. C'est elle qui devrait te tenter. Non, nous, c'est machallah, la sœur, 3000 abonnés, elle répond aux commentaires, elle pose des photos d'elle, machallah, la sœur. On n'a rien compris en vérité. Quel machallah? Quel Allah ibarak, la sœur? Mais nous, voilà, l'homme est bête, l'homme il raisonne avec son sexe, tu les le dire encore une fois, mais c'est la vérité. C'est les sentiments, c'est les passions, c'est charnel. Ah, oh, ça me plaît. J'ai vu de la couleur ici, ça brille, ça scintille, j'ai vu de lumière. Nous, on raisonne à la lumière, on est bête. C'est pas avec la. On n'a pas la raison dans ces cas-là. Une femme, elle fait perdre la raison à un homme. C'est pas, je vais me trouver une femme, il y a un lit déjà sans parler d'internet, bien sûr, selon la sunna, avec les gens de confiance et tout et tout. Là, mais si même on devait donner un avis sur les sœurs d'internet, ben, elles sont bien plus, machallah, celles qu'on n'entend pas parler. D'accord? Celles qui, comme ça, on se demande pourquoi elles se montrent de cette manière-là. Si vraiment c'était pour Allah, alors elles se préserveraient chez elles. Et on aurait... personne n'aurait besoin de savoir qu'elle est voilée. Elles sont voilées, ma vie de niqabi, ma vie de djelbibi, ma vie de hijabi, ma vie de... On s'en fout! On s'en fout, c'est une obligation religieuse. Je veux dire quoi, ma vie de circoncis? Vous comprenez? Ma vie de frère qui ne boit pas d'alcool? Oui, c'est normal. Ma vie de salati, je sais pas. Vous comprenez? Ah, moi, je vais faire un blog. Hein. La prière au quotidien. Qu'est-ce que c'est que ça? Inch'Allah. Ça a joué à mon fils qui s'est mis en route. Subhanallah. Pas compris. Mais. Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu ma phrase. J'ai perdu ce que je disais juste avant. Subhanallah. Je parlais des sœurs qui. Il est en tête, mais je ne sais plus. En tout cas, vous avez compris. Hein. Celles qui vont comme ça. Ah oui, je t'en ai c'est où j'en étais. Oui, ma vie de. C'est les obligations religieuses. Ma vie de jeûneur. Je vais faire un blog sur mon jeûne, un blog sur la salat, un blog sur ceci. Mais subhanallah, il n'y a pas d'utilité pour la communauté. On s'en fout de ta vie de niqabi. Je te le dis tel que je le veux. Il faut être clair pour leur dire qu'on s'en fout, qu'elles sont pathétiques. Il faut arrêter avec les pincettes. Il faut qu'elles se repentent, il faut qu'elles arrêtent. Elles tentent les frères, elles corrompent leurs œuvres. Donc, faut les. Je parle pas de nous les frères, les sœurs. Allez leur dire, arrêtez, c'est nul. Ça ne sert à rien. En disant, ouais, mais non, il y a un but pédagogique, c'est pour enseigner aux autres. Et subhanallah, quand Allah Rasul Qur'an Sunna, il enseigne que la femme doit se voiler. Les savants, ils ont clarifié, on a fait des cours sur le voile légiféré. T'as besoin de te poster en photo pour inciter les sœurs à se voiler. Non, ça, c'est une foutaise, ça. On sait comment je vais me filmer avec ma femme en train de faire l'amour, à Rubillah Hachek, pour enseigner comment faire les enfants. Vous comprenez, je vais faire exprès de faire des exemples choquants pour que les gens disent, ah non, Rubillah, on peut pas faire ça. Bah, de même, si on ne montre pas ces choses-là, bah, alors on montre pas. Qu'on porte le voile. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a strictement aucun intérêt. Et malheureusement, aujourd'hui, tout est blogué, tout est snapchaté. Et dès qu'elle porte, elle se sent obligée de le montrer. Ça montre clairement qu'elle ne le porte pas vraiment pour Allah. Parce que Yannis se montre des gens, tout simplement. Hein. Mais ça choque plus grand monde, en fait. On l'a vu partout, ça. Et du coup, bah, l'intention, on ne tient plus compte. La sincérité, on n'en tient plus compte. Je parlais là des sœurs, j'étais un petit peu dur, certes, mais voilà. Les frères, ça va être d'autres choses. D'autres choses, car là nous préserve hein, de toute forme d'ostentation. On n'est pas exempté. Mais on ne fait plus le rappel. Là, critiquer, c'est pas bien. Ah, tu connais pas son cœur. Tu connais pas son cœur, mais en tout cas, on voit son compte. Et on voit ce qu'elle met. Les sœurs, vous avez y a du boulot par rapport à cela. Je parle des sœurs réformées pour aller les éduquer, toutes les autres. Naam, Harlem, en tout cas. Ali ibn Bakkar, il a dit je préfère rencontrer Shaitan que Hudaïfa. El Marashi, car je crains de feindre pour lui et ainsi de chuter aux yeux d'Allah. Naam. Subhanallah. Abu Ayyub, il a dit, lorsque se rencontraient les gens de bien, ils se recommandaient trois choses, et lorsqu'ils étaient séparés, ils s'écrivaient. Celui qui œuvre pour l'au-delà, Allah le dispensera de cette vie. Celui qui amende sa relation avec Allah, Allah le dispensera des gens. Et celui qui amende ses actes cachés, Allah amendera ses actes publics. C'est clair. Alors, celui qui est sincère dans son œuvre pour l'au-delà, là, lui, un idiot dispensera de cette vie, c'est-à-dire, tu n'auras plus les soucis à te prendre la tête avec cette dunya-là. Tout va être facile. Tu ne vas pas être comme là, nous, on est, il faut ça, il faut penser à ça, il faut faire ci, il faut faire cela. Toujours les problèmes, la dunya. Non. Celui qui amende sa relation avec Allah, Allah le dispensera des gens. Tu seras en autonomie. Tu auras privilégié ta relation avec Allah, tu seras en autonomie. T'auras pas besoin des gens. Or, nous, on est toujours là à galoper à droite à gauche quand on est dans le besoin des gens, malheureusement.
Et yani celui qui amende ses actes cachés, Allah amendera ses actes publics. Ce que tu feras en public, ce sera, mashallah, ce sera bon. Tu feras rien d'incorrect, puisque tes actes cachés sont corrects. Sont corrects et sont pieux. Ne pense pas que tu seras préservé devant les gens par de bons actes si toi derrière tu fais tout le haram. Tu fais tout le haram. Non, je te cache pour faire le haram. Allah te voit. Abu Hazim a dit, dissimule tes bonnes actions plus encore que tu ne dissimules tes péchés. Tu fais du rire, tu dois avoir encore plus, pas honte hein, dans le sens où c'est haram, mais plus gêné qu'on te voit que si on te voyait, par exemple, boire un verre d'alcool ou embrasser une fille. Non, tout simplement. Alors aujourd'hui, on va cacher nos péchés, et ça certes, quoique certains, ils les affichent sans complexe. Par contre, les bonnes actions, on aime les montrer. On devrait plutôt les cacher. Hein. Ibrahim Ibn Adham, il a dit, n'est pas sincère avec Allah, celui qui aime la célébrité. Le fait, le buzz, comme on dit, être connu, et le nombre d'abonnés, et il cherche. Voilà. Personne n'est à l'abri, et moi le premier. Mais vous voyez des fois des comptes. Abonnez-vous, et ceci, et cela, et tant d'abonnés, on doit aller là, et là, là, et copyright, et il faut que mon arrobase avec le nom de mon compte, il soit sur mes posts, et identifiez si vous prenez. Cette phrase-là m'a fait trop. Cette phrase-là, je crois que c'était la phrase de l'année. Identifiez si vous prenez. Si je prends pas, tu me fais un, si j'identifie pas, tu me fais un procès. C'est comment? Et qu'il prend un logiciel tout bête, Instacode ou quelque chose comme ça. Instacode, pourquoi je dis Instacode? C'est à force de lire les graphes comme ça. Instacode, et il va comme ça t'écrire un truc. Et il écrit un verset, un hadith, il a retranscrit une parole de savant. Identifie, si tu prends. Si tu la prends sans identifier, il va te faire un procès, le gars. N'importe quoi. Parce qu'il faut qu'il y ait son nom tout le temps sur son compte. Ces gens-là, ils mériteraient juste qu'on se désabonne de leur compte, qu'on les laisse comme ça dans leur moisie, juste pour qu'ils comprennent. Ils se retrouvent avec deux abonnés, pour qu'ils comprennent que ça sert à rien de faire ça. Malheureusement, les gens, ils suivent, et ils suivent en plus la bêtise. Hein, vous connaissez le truc avec modification interdite, publication recommandée. T'as pas le droit d'enlever son nom, mais la publication recommandée. Ils ont fait des tas de règles comme ça. Moi, à chaque fois, les gens, du coup, ils se trouvent penauds, ils m'envoient des messages privés. Est-ce que j'ai le droit de prendre un de tes posts, mais à quelle page je te mentionne? Je fais, qu'est-ce que tu viens m'embêter à me demander si t'as le droit? C'est public, prends. Prends les posts, partage et me mentionne jamais. C'est pas une fausse humilité, c'est qu'est-ce que mon nom va faire sur ces choses-là. Subhanallah, je comprends pas. Mais il y a beaucoup de gens qui sont aussi effarés de ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça. Allah nous guide en tout cas. Bishr ibn al-Harith, il a dit, je ne connais pas un homme qui aimait être connu sans que sa religion ne disparaisse et qu'il ne soit démasqué. Et ne connaît pas la douceur de l'au-delà, celui qui aime que les gens le connaissent. Il y a donc aimé être connu aussi comme certains prêcheurs, mais là, même pas parmi les gens de la Sunna. Là, je parlais des comptes de la Sunna, tout ça. Mais des comptes où les gens, la Hizbiya, qui veulent être connus, et qui font des grands congrès, des grandes choses, et qui ils veulent que leur nom soit, voilà, apparaisse. Ils ne sentiront pas la douceur de la foi, ces gens-là, ceux qui cherchent que les gens le connaissent. Cheikh Al-Albani l'a convoqué pour venir faire conférence dans un stade. Il a dit non, un stade, c'est pas possible. Il dit pourquoi? Ils sont tous là pour toi, ils veulent ta science. Il a dit non, je vais périr. Trop de gens comme ça pour moi, moi je suis pas une star, je veux pas comme ça être suivi et tout. C'est pour ça qu'on dit, hein, il y en a qui ne comprennent pas, hein, c'est pas le nombre d'abonnés qui fait la qualité du prêche, c'est pas le nombre de vues, c'est pas le nombre de suiveurs sur Paltalk. D'accord? Des gens, ils vont dire, s'il n'y a pas 150 ou 200 personnes, je ferme le Paltalk. Ça sert à rien, il n'y a pas assez de gens. Ils veulent être connus, ils veulent que vraiment ça se propage. Mais pas pour que le message d'Allah se propage. Pour qu'ils se sentent gonflés, moussés, comme on dit, vous comprenez? Nous, des fois, on est 7, des fois, on est 10, des fois, on est 15, on est 16. Alhamdulillah, c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Je trouve que c'est déjà énorme, en fait. Ça fait beaucoup de gens. Imagine dans une pièce, on est comme ça, là, 17 à parler d'Allah, c'est énorme. Et ces 17-là, après, ils repropagent et tout. On devait dire, Alhamdulillah, c'est énorme. C'est déjà beaucoup. J'ai toujours dit, si même il y avait une personne un jour qui venait au cours, je le ferais. Donc, on ne doit pas chercher comme ça le nombre. Voilà. Chercher à être connu des gens et qu'il y ait beaucoup de gens et de monde qui nous suivent. Ayoub As-Sakhtiani, il a dit, le serviteur n'est pas sincère envers Allah. Le serviteur n'est sincère envers Allah, pardon, que s'il se réjouit qu'on ne sache pas où il réside. Il se réjouit qu'on ne sache pas où il réside. Ah, alhamdoulilah. Là, je me retrouve. J'aime pas qu'on sache où j'habite. Non, mais il y a des gens, voilà, ils poussent la célébrité très loin. Ils aiment être reconnus des gens et qu'on sache ce qu'ils sont, où ils sont, etc. Bon, moi, je crois pas que je rentre dans la sincérité envers Allah par rapport à ça. C'est plus de la paranoïa.
J'ai accumulé de la paranoïa, pardon, dû à mon ancienne vie, on va dire, les embrouilles et toutes ces bêtises-là. Et du coup, j'ai jamais aimé qu'on sache où je dormais. Et moi, je crois que ça n'a rien à voir avec la sincérité. C'est plus, en guise de précaution, j'aime pas. J'aime être tranquille, peinard. J'aime pas qu'il y ait des gens comme ça qui sachent où je crèche. Mais Yarni, voilà, là, pour le coup, c'était pour les gens qui aiment son photographie, leur demeure, etc. Enfin, plutôt des savants en général. Un grand savant, par exemple. Nous, ça ne nous concerne pas. Mais un grand savant, par exemple, il va être aimé des gens, il ne vont même pas savoir où il habite. Ils vont même pas savoir où il vit. Parce que si vous savez où il vit, ils vont venir devant, vous savez, ils vont squatter devant sa maison pour lui faire des éloges, pour le questionner, etc. Non, le savant, il veut être vivre tranquille. Voilà, ça concerne plutôt un savant ici, pas nous. Vérité, si je sais où tu habites, mon frère, ma soeur, on va pas se mentir, personne ne va venir devant chez toi. Parce qu'on se fiche l'un de l'autre. Mais quand c'est, imagine, tu sais où habite Schaffhausen, ils vont être tentés d'aller comme ça, et faire un peu d'exagération à son sujet. Donc, le mieux, c'est qu'on ne sache pas. Mohamed ibn al-Hassan rapporte, lorsque Abu Abdallah, l'imam Ahmed, marchait dans la rue, il réprouvait que quelqu'un le suive. Laisse-moi marcher, je ne veux pas être suivi comme ça, je suis personne. Laisse-moi marcher. J'avoue que ça doit être pesant, ça. À la manière un peu des stars, comme ça, ils sortent aujourd'hui, ou les rappeurs ou autres, toujours il y a des gens comme ça, ils viennent les voir. C'est de l'idolâtrie, enfin, ça frôle l'idolâtrie en fonction des propos des gens. Des fois, il y a des gens qui t'idolâtrent, même fois quand tu l'as pas voulu. Quand ils font leur tarot là, avec le rap, c'est être un tarot, donc ils l'ont voulu. Ils ont voulu être idolâtrés, ça c'est une certitude. Et s'ils disent qu'ils n'ont pas voulu être idolâtrés, bah, qu'ils cessent le rap, qu'ils cessent le haram, qu'ils cessent la voix de shaitan, déjà pour commencer. Mais un savant, lui, il n'a pas voulu être idolâtré. Et des fois, il y a des gens comme ça, ils viennent, ils collent un peu, et ça peut devenir très 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 gênant. J'imagine pas cette sensation-là, et j'ai pas envie de la connaître. Bishr ibn al-Harith, il a dit, le trésor du croyant consiste à ce que les gens ne prêtent pas attention à lui, et qu'il l'ignore où il réside, encore une fois. Ahmed ibn Hanbal a dit, j'aimerais vivre dans les montagnes de la Mecque, afin de ne pas être connu, car j'ai été éprouvé par la célébrité. Il était très connu, et il a souffert de ça, il était malheureux de ça, il aurait préféré vivre dans les montagnes de Mecca, comme faisait le prophète A.S. avant sa révélation. Saïd ibn al-Haddad, il a dit, rien n'obstrue plus le cheminement vers Allah que la recherche d'éloges et de l'élévation. Tu recherches à être élogé comme ça casse ton œuvre, et ça bloque ton chemin vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Mohamed ibn Yusuf, al-Asbahani, n'achetait pas son pain d'un seul boulanger. Et il disait, il se peut qu'il me connaisse et me fasse des cadeaux, et qu'ainsi je sois de ceux qui vivent de leur religion. Il voulait pas, parce qu'il était un grand savant, Naam, rahmallah, si je vais chez le même comme ça boulanger, il va me connaître, et il va m'apprécier, il va dire, je suis machallah, il va me donner des cadeaux, et donc je vais avoir du pain gratuit, je veux pas vivre de la religion. Hein, c'est comme ceux qui touchent un salaire parce qu'ils font darwa et qu'ils sont imams. C'est grave. C'est très, très dangereux. D'accord? On ne vit pas de la religion. On ne vit pas. J'ai un métier où je me débrouille ou ceci ou cela, mais le dîn, c'est fi sabilillah. Je n'ai pas à toucher un salaire pour mon dîn, pour ma religion, pour mon effort. Non. Abdallah ibn Muhayriz, il a dit, il est entré dans une échoppe pour acheter un vêtement plutôt, et un homme dit au propriétaire de l'échoppe, il s'agit de ibn Muhayriz. Alors sois conciliant dans la vente. En gros, arrange-le sur le prix. Et l'autre, il se mit en colère. Il a dit, nous achetons avec notre argent et pas avec notre religion. Je ne veux pas de ta réduction. Moi, j'ai de l'argent, moi. Moi, j'ai de l'argent. Fais-moi le prix normal. J'ai de l'argent. Ce n'est pas que ma religion, je vais l'acheter. Tu ne vas pas me faire de réduction parce que je suis savant. Là, je ne troquerai pas ma religion à vil prix pour ce bas monde. Pour ça, j'ai des dinars. Pour ça, j'ai des euros. C'est de la caillasse. C'est de l'éphémère. Je ne troque pas ma religion. Tu es fou, toi. Voilà ce qu'il lui dit. Al-Fadr ibn Muhallal rapporte, Sofiane Thaouri me dit, où réside le salut? C'est-à-dire la réussite. Il répondit, dans le fait de ne pas être connu. Il me dit, cela n'est pas possible de ne pas être connu. Mais le salut réside dans le fait que tu aimerais ne pas être connu. Ah, de ne pas te contenter de la célébrité. Des fois, il vient malgré toi. Chez El Albani, on connaît les célèbres. Et d'autres. Mais voilà. T'aimes pas ça, être connu. Mais ça vient. Ça, c'est pas possible de ne pas être connu. Ça vient avec les choses comme ça. Sofiane ibn Uyayna, il a dit, celui qui se pare devant les gens d'une chose dont Allah sait qu'il est l'opposé, Allah l'en est dit. Ce que je disais exactement comme tout à l'heure. Et tu vas faire des photos de toi nu, faire des trucs pour aller à l'hôtel avec les frères, et tu vas te montrer niqabi, ceci, blabli, blabli, sur les réseaux sociaux. Allah, tu vas avoir un châtiment qui va être douloureux, ça va être l'humiliation, tu vas être enlaidi, moche. D'accord? Et de même d'autres choses. C'est-à-dire, tout se sait, tout avance, et Allah, il sait. Qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi? Est-ce que tu fais? D'accord? De même, si tu vas jouer le grand pieu,
Yani, tu vas être très poli avec les gens, tu vas te parer comme ça devant les gens et tu frappes ta femme, tu l'insultes de tous les noms. Subhanallah. D'accord? De même, tout le temps tu es à la mosquée à faire. Il y en a, Allah, ils font rire les vieux à la mosquée qui veulent donner des ordres. Ok, c'est des anciens, il faut respecter. Mais il y en a, des fois, ils veulent trop jouer les anciens. Mais vraiment, là, dans le terme ancien, dans le sens, vous avez compris, ils veulent trop jouer l'ancien, trop jouer le taulier ici. Ils font pas comme s'ils passent à l'aide, ils prient même pas, des fois. Ils viennent coach du Moura. Là, ils donnent des ordres aux gens, ils font, ah, c'est trop. Tu joues le recteur de la mosquée. Si t'es le recteur de la mosquée, t'es le président de la mosquée, t'es machallah, tu donnes les ordres. T'es censé être là toutes les prières. Et Yarni, ils sont jamais là. Ils sont là au Jumu'ah, ils donnent des ordres. Donc, c'est Yarni, c'est plein d'humiliations comme ça et plein d'enlaidissements qu'ils subiront. Si tu te pars devant les gens de quelque chose, en vérité, Allah, il sait que t'es l'opposé de ça. Non. Ce même Sofiane ibn Uyayna, il rapporte, un homme a dit, l'amour des honneurs m'a perdu. Et un autre lui répondit, si tu avais craint Allah, tu aurais atteint les honneurs. Yarni. L'amour des honneurs des gens m'a perdu. Mais en vérité, les vrais honneurs sont ceux, Yarni, dans la crainte d'Allah. Naam. Les honneurs venant d'Allah. Naam. Al-Awza'i, il a dit l'ascétisme zuh, de ce bas monde consiste à délaisser les éloges et à œuvrer sans chercher à être loué par les gens pour cela. D'accord ? Tu délaisses les éloges, tu délaisses les gens et tu œuvres, mais tu calcules pas les louanges. On complimente, il complimente. C'est comme ça, alhamdoulilah, c'est comme ça, tu peux rien. Mais tu les cherches pas. Et tu cherches pas à être loué. Non, tu avances, tu calcules pas, comme on dit. Al-Rabi'a rapporte qu'il a entendu Idris al-Shafiri, rahmallah, dire « J'aurais aimé que les gens connaissent cette science, c'est-à-dire ces livres. » Il y en a écrit des livres, hein, sans que rien ne m'en soit attribué. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça, c'est le dalil que j'utilisais. C'est tranchant. Et très humiliant pour eux, pour ceux qui disent « Non, mais moi, je mets mon logo, mais c'est pour qu'on retrouve les choses, tu comprends ?» Alors qu'en vérité, il n'a laissé aucune chance, celui-là, avec ses comptes et son arrobas, machi, machin. Rien. Il fait que des copier-coller de paroles de savants. Ah, puis attention, hein, quand il y en a un qui est un petit peu arabophone sur les bords et qu'il t'a traduit trois lignes, traduit par copyright. Arrêtez, les frères, arrêtez. Ittaqullah azajel, arrêtez, vous n'avez rien fait. Hey, il a passé 10 minutes à traduire un mot en arabe et traduction, bail et ceci, et copyright, entertainment, corporation. Oh là 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 là, catastrophique. Ton peu d'effort que tu fais pour Allah, il faut que tu le montres à ce point-là, mon frère. C'est tout moi qui a fait ça. Regardez, c'est moi. Abou, ceci, Zaïd, machin. Oh là là là, catastrophique. Al-Shafiri, Yamiskin, Al-Shafiri. Il est allé essayer bibliothèque sur bibliothèque d'écriture. C'est lui qui fait son effort d'interprétation. Il a sué. Wallah, il a vécu, il est mort pour cette science, pour Allah. Il te dit clairement, j'aurais aimé que les gens connaissent cette science. Ils aient le khair, le nectar de cette science, mais sans que rien m'en soit attribué. C'est-à-dire, je ne veux pas mon nom sur les livres. Rien. Personne ne sait. C'est qui est allé Al-Shafiri, personne ne connaît. On dit juste qu'il y a des bons livres de Haïm là-bas. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on a des zigotos qui nous traduisent trois lignes et qui font copyright et nanani et traduit par un tel. Et si t'as le malheur de couper le traduit, chose que je fais parce qu'on en a marre et on veut juste la parole du savant, ils te font un procès et ils te font des mises en garde. Vous voyez un peu la débilité, la stupidité des gens ou pas? Vous voyez aussi quand même pas ils ont traduit encore, eux ils ont fait un effort. Non, non, rien, ils font des copier-coller. Ils ont fait des copier-coller. Mais si tu prends leur poste sans les mentionner ou sans Yarni, si t'as coupé leur truc avec leur logo, etc., ils vont te faire la guerre. Ils veulent être vus. Ils veulent pas que les gens aient la science. Ils veulent que les gens aient la science en revenant vers eux. Et qu'ils sachent qu'ils l'ont pris d'eux. Ils veulent ça. Non, la science, tiens, je te la donne. Tiens, prends-la. Moi, je veux la récompense auprès d'Allah. Et en fait, moi aussi, certes, je veux aussi être récompensé auprès d'Allah, mais il y a aussi un autre objectif. Ah, vous allez dire, bah non, c'est une dualité dans l'intention. On ne doit que viser Allah. On ne doit que viser Allah, mais il y a quelque chose aussi, moi, qui me fait plaisir dans mon œuvre. C'est qu'elle te soit utile, mon frère, ma sœur. Être utile à la communauté. Et ceci plaît à Allah. Donc ça ne rentre pas dans la dualité, il y en a ni dans l'association, dans l'œuvre, dans l'intention. Je ne cherche pas à plaire aux gens, mais alors être utile. Nuance. Donc je t'envoie des posts et des posts et des posts qui ne sont pas signés. On s'en fout que ça vienne de moi ou d'un autre. Mais je suis content parce que tu te réformes. Et t'écoutes des audios et tu te réformes. Femte. Et t'avances. Alhamdoulilah, je suis content. La communauté, par ma cause, alhamdoulilah, avance. Ça, c'est une joie, mais ça s'arrête ici. Non, mon nom, c'est aussi pourquoi pour les abonnés, pour la célébrité. Wallahi, ces gens-là, Allahu a'lam, ils craignent pas Allah. Ils sont très jeunes en général. C'est des gamins. C'est des gamins d'Internet. Et puis, s'ils sont plus gamins, parce que j'en ai discuté avec certains qui me faisaient aussi ces guerres-là, il y a 25 et 30 ans, bah, c'est bien triste. Non, il a 6 enfants. 6 enfants! Est-ce que ça vaut que je cite son nom? Wallahi, je vais me mettre au-dessus de ça, je vais même plus citer son nom. Un tweetos, très connu, parmi Et Salafi, machin, et tout là. 6 enfants! Il vit au Maroc! Il a fait la hijra. Il a 6 gosses, il est encore là-dedans. Subhanallah.
C'est grave. Voilà. Cherche pas, j'ai même pas le mentionner, Yannick, pour même pas faire, on sait jamais, une médisance ou quoi. Bref, c'est, je vise tout un tas de particularités de gens qui font ces choses-là, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous cherchez, peu importe votre âge, qu'est-ce que vous cherchez à travers cela, alors que des grands savants, ils auraient préféré que leur nom ne soit même pas cité. Et ils sortent des excuses aussi farfelues les unes que les autres. Non, mais c'est pour retrouver, c'est pour que les gens retrouvent le chemin du rire, de la dawaz, y arrête. Donne le rire aux gens, tais-toi, on s'en fiche de ton nom, mon frère. Non. Voilà, Abu Shraq el-Fazari, pardon, j'ai inversé. Il est des gens qui aiment qu'on fasse leurs éloges, alors qu'ils ne pèsent pas plus qu'une aide de moustique auprès d'Allah. Parce qu'il y en a, ils aiment être encensés, ils valent rien. Ils valent rien, rien du tout. Et il y en a, ils veulent pas, ils se rabaissent eux-mêmes, ils veulent rien savoir, alors qu'en vérité, ils pèsent lourd chez Allah. Ah, l'exemple d'Ash-Shafi'i, regarde. Ibn el-Muhayriz, il rapporte... J'ai entendu Fadallah ibn Ubayd dire, alors que je lui avais demandé une recommandation, voici des caractéristiques dont Allah te fera profiter. Si tu peux connaître sans être connu, alors fais-le. Et si tu peux écouter sans parler, alors fais-le. Et si tu peux t'asseoir avec d'autres sans qu'on s'assoie avec toi, alors fais-le. Ça veut dire, si tu peux apprendre cette science, si tu peux connaître la science sans toi-même être connu, fais-le. Si tu peux écouter des choses sans que tu aies besoin de parler, comme là vous êtes ici, vous écoutez, vous apprenez, fais-le. Si tu peux t'asseoir avec d'autres sans qu'on s'assoie avec toi, fais-le. Yani, toujours être assis dans les assises des gens, mais toi, yani, personne ne s'assoit avec toi, fais-le aussi. Reste seul et yani, il n'est pas nécessaire forcément d'être suivi. Non. Mon tarif, Ibn Abdallah, il a dit « Dormir toute la nuit et me lever plein de regrets, mais préférable au fait de prier la nuit et me lever infatué de ma personne. » C'est-à-dire, j'ai dormi toute la nuit, j'ai plein de regrets dus à ma négligence. Le regret, le taouba, c'est une adoration en soi. Et ça ne peut que être sincère, puisqu'il n'y a aucune œuvre qui est faite. Tu vas te... D'où tu vas être dans une autosatisfaction, alors que tu n'as rien fait, ça n'existe pas. Par contre, prier, la nuit, et tu te lèves, alhamdoulilah, moi ça va, machallah, et je carbure bien en ce moment, et tout ça, c'est pas bon. C'est d'autosatisfaction et c'est pas bon du tout. Nafir ibn Jubair, il a dit « Celui qui participe à un convoi funéraire afin d'être vu par la famille du défunt, n'y participe pas en réalité. » Fin de citation. Il n'est pas là avec le mort. Il n'est pas là pour transporter le convoi. Il veut être « Mashallah, t'as porté le cercueil de mon fils, hein, mashallah, tu veux pas épouser ma fille et tout. » Tu vois, je veux dire, il y a des gens... Dans les niyas, croyez-moi, la niya, le cœur humain, le nefs, regorge de choses des fois complètement abjectes. On pourrait même pas se douter. Des fois, en nous-mêmes, chez les gens, il y a des choses. Tu te dis, ah, ouais, comment il a pu penser à ça, etc. L'être humain, des fois, il est étonnant. Ah. Et des fois, il est très pur aussi. Dans Ubayd, Allah ibn Abi Ja'far, il a dit, si quelqu'un prend la parole dans une assise et qu'il lui plaît de parler, qu'il cesse. Et s'il reste silencieux et que cela lui plaît, qu'il parle. Ah. Ça veut dire que si le fait d'être dans une assise, de la moins comme ça, de parler, que ça te plaît, ça te plaît comme ça de parler, tu te sens bien comme ça au milieu des gens, au mieux que tu cesses. Et si de rester silencieux, ça te plaît, tu te sens bien, parce que peut-être tu vas penser, ah, on dit, il est sage, il est silencieux, il écoute, alors parle. alors toi tu parles à la place. Non, en fait, il faut toujours fuir ce sentiment, sans rentrer en West West, bien sûr, il faut savoir se taire, mais ce sentiment de quoi, les yeux vont être sur nous et qu'on va penser du bien de nous de différentes façons. Il faut rester le plus naturel possible, bien sûr. Mais sortir de tout doute concernant l'ostentation. Hamad ibn Zaïd rapporte Ayyub était dans une assise lorsque les lames envahirent ses yeux. Il se mit alors à se moucher et dire quel rhume, prétexté donc une maladie par rapport à ses pleurs. Un conteur vient trouver Mohammed ibn Wasir et lui dit pourquoi les cœurs ne craignent-ils pas, les yeux ne pleurent-ils pas et les peaux ne tremblent-elles pas donc pour Allah. Et il lui répondit Foulen, je constate que les gens ne sont venus que pour toi. Lorsque le rappel émane du cœur, il touche le cœur. Donc, Yami, quelqu'un qui va aller voir un savant. Deux cas. Soit le savant, il est là pour les gens, juste pour les gens, et uniquement pour les gens. Son rappel, wallah, il n'aura pas d'impact. Il va parler, mais ça ne va pas toucher. Les gens ne vont rien y comprendre, ne vont pas être touchés. Ou bien alors, ça peut être de l'autre côté. Les gens, ils viennent, mais pour la personne. Soit pour être vu. Des fois, ça peut être différents cas, vous voyez, ça dépend, écoutez bien. Pour être vu, l'élève vient auprès du shir pour être vu, et que le shir pense du bien de lui. Il n'est pas venu pour l'aïm, il est venu pour que le shir pense du bien de lui. Ou alors pour être vu des autres gens, ou alors parce qu'il vient juste pour voir le shir.
Tout ça ne va pas toucher, ça ne va pas percer. D'accord? D'accord? Il faut, yani, que ce soit d'un côté comme de l'autre, que ce soit sincèrement pour la science. Là, le rappel va être percutant, va toucher, parce qu'il va être béni, il y aura la baraka. Et les gens qui sont venus sincèrement pour apprendre l'ilm, ils vont être touchés. Ils vont peut-être pleurer, ils vont, la peau va trembler, ils vont dire, subhanallah, ça m'a touché cette chose-là. Et tout ça, c'est Allah qui met baraka ou non dans tout type de situation, que ce soit celui qui enseigne ou celui qui reçoit la science. Naam. As-Souri a dit, œuvre pour Allah, car cela est meilleur que de vrai pour ta propre personne. C'est-à-dire, on va en ostentation. Hein. Sofian F-Fawri a dit, j'ai débuté l'apprentissage de la science sans véritable intention. C'est-à-dire, je l'ai fait comme ça. Puis Allah m'a accordé cette intention sincère par la suite. C'est-à-dire qu'au début, je faisais, il y a un lit comme ça. Je le faisais que, il y a un lit comme ça. Il n'y avait pas vraiment de bénéfice. Et ensuite, la saveur vient quand tu deviens sincère dans ta quête de science. Al-Walid a dit, j'ai demandé à Al-Awza'i Saïd ibn Abd al-Aziz et ibn Jurayj, pardon, pourquoi avez-vous recherché l'ilm, la science? Et tous ont répondu pour moi-même, sauf Ibn Jurayj qui me répondit, je l'ai recherché pour les gens. Al-Zahabi a dit, quelle sincérité. Aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un comme ça, pourquoi tu as recherché la science, il répondra précipitamment, je l'ai recherché pour Allah. Mais il ment, il l'a recherché pour ce bas monde. Mais comme il en connaît peu de choses. Voilà. En vérité, Ibn Jurayj, il a juste été plus clairvoyant et clair, il connaît son âme. Et il a été plus sincère, en vérité. Il a dit, moi, en vérité, voilà, les autres, voilà, on ne sait pas si c'est vrai, mais ils ont répondu comme cela, et parmi tous les gens, aujourd'hui, on leur demanderait pourquoi tu pries pour Allah, pourquoi tu jeûnes pour Allah, mais vraiment, ils ne se sont pas questionnés. Il se peut que ce soit vrai, comme pour les deux autres avant, Saïd ibn Abdallah et Al-Awza'i, mais il se peut que ce soit faux. Ibn Jurayj, il avait fait son examen de conscience, et il dit, non, je l'ai recherché pour les gens. J'ai cherché la science pour les gens, et après, sûrement, il se repent et tout, mais il est clair, il se sait. Ça sert à se forger des illusions. Et tout dire, c'est pour Allah, c'est pour Allah, c'est pour Allah, peut-être que c'est pour... En fonction de comment tu... Il y a plusieurs signes, hein, parfois. En fonction de comment tu fais les choses, il se peut que ce soit pas, il y en a pour Allah, mais pour les gens. Le Tawba, il existe, tu peux revenir, il faut juste en prendre conscience, tout simplement. Hisham Ad-Dastouaï, il a dit, par Allah, je ne peux dire qu'un seul jour, je suis allé étudier le hadith pour la face d'Allah. Modestie. Il dit, je ne serais pas capable de dire... À coup sûr que je suis parti étudier le hadith un seul jour hein, pour la face d'Allah. Alors qu'il y va tous les jours, dit le hadith. Mais il se dit certainement mon action est corrompue, peut-être que je le fais pour les gens. Non, c'est la modestie. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait, c'est la modestie. Mohamed ibn Abdiway rapporte qu'il a entendu Al-Fudayl dire « Délaisser un acte pour les gens est une forme d'ostentation. Œuvrer en raison des gens est une forme de polythéisme et la sincérité consiste à ce qu'Allah préserve de ces deux choses. » Donc, il y a un « délaisser un acte pour les gens ». Pour les gens. J'avais prévu de faire cela. T'avais prévu. C'est pas tu rentres, tu vois des gens, du coup tu fais une salat, deux rakat. Non. Toi t'avais prévu de faire ces deux rakat. T'avais prévu. T'es habitué à faire tes rawatib. Il y a des gens, khalas, tu pries. Mais tant pis, ils sont là. Parce que si tu délaisses là pour les gens, c'est je veux. En fait, tu fais pas pour qu'on dise de toi, enfin qu'on pense de toi, ah il ne fait pas, alors il se préserve de l'ostentation. Tu comprends le cheminement comme ça? Ça va loin? Les gens, enfin tu fais ça pour que les gens pensent. Que tu fais ça pour ne pas qu'ils pensent que tu œuvres. Tordu, mais vous avez compris. C'est ça, en fait. Et ça, c'est l'ostentation. Ah, je m'assois. Dans la nia, en tout cas. Si tu n'avais jamais prévu de prier, tu t'assois, tu n'as rien fait de mal. Parce qu'il y en a maintenant, ils vont dire, subhanallah, j'ai rien fait. Peut-être qu'ils vont croire que je fais rien, je suis un sage, que je me préserve. Non, je vais me lever, j'ai prié. Faut pas, non. C'est si toi, tu avais prévu de prier, prie, mon frère. Ma soeur, tu rentres, prie. Si tu n'avais pas prévu, prie pas parce qu'il y a des gens exprès. Ah, il y a des gens là-bas, je vais me lever, je vais faire de la rakat, machallah. Non. Mais si t'avais prévu, te prive pas, de même pour jeûner, te prive pas, c'était prévu. Fais pour Allah, sois sincère. Et puis, dernier, œuvrer en raison des gens est une forme de polythéisme, ça c'est clair. Hein. Ils sont là, dès le début, hein. Si tu vois des gens au loin, oh je vais faire une salat, ils sont là-bas, ça c'est du shirk akbar même. Tu l'as pas voué pour Allah ta salat, tu l'as voué pour les gens. Non. Et si tu priais pour Allah sincèrement, des gens sont rentrés, et qu'entre temps t'as embelli ta prière, ou t'as su qu'ils étaient là, donc t'as récité plus lentement, et t'as fait « Samia Allah, Iman Hamida » en mettant bien tes mains et tout, et bref, t'as exagéré un peu, là c'est l'ostentation, c'est du shirk mineur. Non, Inch'Allah il nous reste une page et demie, hein, d'accord? Après je vous libère Inch'Allah. Ash-Shatibi, il a dit « Personne ne lira ce poème que voici sans qu'Allah ne lui en fasse profiter, car je l'ai composé pour Allah ». Donc si elle est sincèrement composée pour Allah, ce que tu fais, ta da'wa ou ton poème,
Yani, sûr que les gens vont en profiter. Quand tu vois des gens, la baraka qu'il y a dans la dawa et l'œuvre de Mohamed ibn Abdel Wahhab, pourquoi ça touche à ce qu'on a les gens, et qu'il y a des gens qui sont convertis, qui reviennent à la salafia et qui lisent ces livres, qui sont subjugués, et que le tawhid est si clairement explicité, c'est parce qu'il le fait sincèrement pour Allah, du coup il y a la baraka, du coup ça touche les gens. Tu peux écrire des tomes et des tomes et des ouvrages sur le tawhid, si t'es pas sincère, Allah, les gens vont rien toucher. Ça va pourrir tout ça, personne ne va en bénéficier. Abdallah ibn al-Mubarak, il a dit, une œuvre minime peut être multipliée par l'intention, et une œuvre importante peut être diminuée par l'intention. Enniya, toujours enniya. Et un nid, j'ai donné 10 centimes. Mais qu'est-ce que mon intention était pure? Wallah, cher Abdallah, c'est pas combien ça vaut. Wallahi aussi, l'autre, il donne 1000 euros. Wallah, il donne 1000 euros, comme ça, et de nos jours, c'est quand même beaucoup. Mais Yarni, son intention était corrompue, ça ne vaut rien. Voire même, elle annulée, il a des péchés. Omar écrivit à Abu Moussa, celui dont l'intention est sincère, Allah lui suffit concernant ce qui est entre lui et les gens. Quant à celui qui affiche aux gens ce dont Allah sait être absent de son cœur, Allah l'enlaidit, on l'a vu plus tôt. Alors que penses-tu qu'il en sera de la rétribution d'Allah concernant la subsistance qu'il accorde en ce bas monde et les trésors de sa miséricorde? Non. En vérité, c'est pour ce, yani, pour tout de suite maintenant, quand quelqu'un connaît, quand Allah connaît quelqu'un comme étant quelqu'un de sincère, non, il le récompense déjà en ce bas monde, mais que dire ensuite des trésors de sa miséricorde dans l'au-delà, d'accord? Ça concerne donc la subsistance du bas monde, de même que donc quand quelqu'un il sait que quand Allah sait que cette personne-là se vante de telle chose, mais que cette chose-là est absente de son cœur, d'accord? Il en joue, il l'en est dit. Donc que dire d'après aussi? Que dire d'après aussi? D'accord? Pour le châtiment. Ici, déjà, t'es enlaidi, mais c'est quoi le pire enlaidissement? L'enfer. A'udhu billah, qu'Allah nous préserve. Naam. Wallahu a'lam. Omar, il fut invité à un repas de noces. Lorsqu'il lui mangeait, il s'en alla. Et il dit, j'aurais souhaité ne pas y assister. On lui demanda, mais pourquoi? Amir al-Mu'minin, commandeur des croyants, il répondit, je pense que votre compagnon ne l'a fait que par ostentation. Il a organisé un repas. Comme on voit aussi beaucoup aujourd'hui, malheureusement, parfois, on ne sait pas, on ne saura jamais. On dit, sans doute, les gens, des fois, organisent un repas. Et c'est ce qu'il a pensé, Orma, que par ostentation. Tu le vois dans certains comportements, dans certaines paroles, etc. Et des fois, des gens, c'est hyper sincère. Voilà. Donc, le mieux, c'est de réveiller sa nia avant même d'inviter des gens. Là, à manger, on va faire ci, on va faire ça. Si t'es vraiment sincère, bismillah, fais-le. Mais si c'est pour X ou Y et n'est pas visé par cela, le fait de restaurer des musulmans pour la face d'Allah, évite, abstiens-toi, c'est mieux. Ali a dit, celui dont l'apparence est meilleure que son fort intérieur, sa balance sera légère au jour de la résurrection. Quant à celui dont le fort intérieur est meilleur que son apparence, sa balance sera lourde, yom al-qiyama. C'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, revenons à peaufiner notre contenu et non pas le contenant. Le contenant, il a une apparence, il faut que l'apparence extérieure soit bonne. Ça rentre aussi même des fois dans les obligations, la barbe, etc. On dénigre pas ça, jamais. Jamais vous entendrez que je dénigre ces choses-là. Et je dis, comme certains hizbi égarés, il n'y a que le fond qui compte, ces gens-là. Non, ils dénigrent le pantalon au-dessus de la cheville. Il est important, le pantalon au-dessus de la cheville. Ils dénigrent le qamis, il est important. Ils dénigrent la barbe, c'est important. Nous, on ne dénigre pas ces choses-là, attention. On dit qu'il n'y a que ça chez toi, mon frère. Nuance, il n'y a que ça. Et que tout ton fond, il est pourri. C'est là que je te blâme. C'est pas un machara ta barbe, la hiya, garde-la. Le pantalon au-dessus de la cheville, c'est obligatoire. Mais il y a le fond intérieur aussi à soigner. Et c'est plus important. Ali a dit, l'œuvre pieuse est celle pour laquelle tu ne veux être loué par personne d'autre qu'Allah. Tu œuvres, t'attends que Yarni, la récompense d'Allah et le fait qu'il soit ravi de toi et de l'entendre. Tu cherches rien du tout des gens. Non, c'est ça l'œuvre pieuse. Un homme dit à Hudaïfa, je crains d'être hypocrite. Il lui répondit, si tu étais hypocrite, tu ne me craindrais pas. Allahu Akbar. Comme une personne a posé la question récemment. Je suis comme ci, je suis comme ça, je crois que je suis hypocrite, etc. Je dis, mashallah, c'est une preuve de sincérité. En tous les cas, s'il est sincère dans sa démarche de venir me questionner, etc. Mais si toi tout seul devant ton miroir, tu dis je suis hypocrite, ou tu repenses à tes fautes, t'es hypocrite, t'as fait ta oua, mais tu te sens hypocrite, tu vois la faiblesse de tes œuvres, tu te sens hypocrite, tu te donnes, tu te démènes dans certaines choses, mais tu te dis moi je pense que je suis hypocrite. Wallahi, seul un hypocrite se sent préservé de l'hypocrisie. Une personne sincère, a priori pieuse, se sent hypocrite. Les plus pieux d'entre nous se sentent le plus hypocrites. Les plus versés dans le tawhid sont ceux qui ont le plus le peur du shirk. Sachez-le. Et quelqu'un dit, moi, l'hypocrisie, j'en suis loin, moi, je suis un musulman sincère. Oh, lui, il faut douter de lui. Il est dans une pente très glissante. Enfin, très dangereux d'être comme ça, imbu de sa personne. Le musulman sincère, il se dit, je vois rien. Avec lui-même, ça sert à rien de le faire devant les gens, comme on a vu pleurnicher pour se faire voir, et qu'on dise, oh, il est machallah, qu'est-ce qu'il est humble, oh, qu'est-ce qu'il est sage, et il est bien, hein. Non, tout seul. Il dit, je vois rien, subhanallah. Tu vois, t'es un hypocrite, moi. Ah, c'est pas possible autrement. Yarni, ça.
Ça, c'est beau. Rabi' ibn Khudaym, il a dit, tout ce à travers quoi on recherche autre qu'Allah, ça disparaît. Fin de citation, et je rajoute, et tout ce qu'on cherche, la face d'Allah, ça regarde, ça se, oh là, pardon, ça se garde, et ça se, yani, ça s'économise, c'est pour au-delà, bien sûr. Aboul Aliya a dit, les compagnons de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, m'ont dit, n'œuvre pas pour autre qu'Allah, sinon Allah t'abandonnera à ce pourquoi tu œuvrais. On a vu une phrase similaire avant. Mutarrif ibn Abdallah a dit, la plus hideuse des choses à travers laquelle on recherche ce bas monde est l'œuvre destinée à la recherche de l'au-delà. Ça, il n'y a rien de pire. Wallahi, il n'y a rien de plus hideux et dégoûtant. Tu recherches le bas monde par différents, par différentes techniques et moyens, des fois halal, même des fois haram. Quand c'est haram, c'est hideux, il n'y a pas de doute. Quand c'est halal, il ne faut pas faire de l'excès parce que ça peut devenir hideux, il n'y a pas de doute. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus hideux que d'utiliser une œuvre pour l'au-delà pour chercher la dunya? Comme certains exemples, des frères qui comme ça vont faire une apparence de dawa ou de site d'internet, et nous ceci et nous cela, on met pas le couvert et même par citer son nom en ce mois béni, mais vous le connaissez tous, pour aller faire quoi? Des vierges et des sœurs, les mettre enceintes à l'hôtel, des sœurs naïves qui ont leur part de responsabilité, entendons-nous bien, ça c'est agib. Parce que t'es pas venu en mode mec de quartier. Wesh moi ça, bien quoi, vas-y on se capte... J'ai fait le gros cliché, mais c'est pour vous comprendre. Lui, il est juste avec sa dounia, dans son péché. Mais jamais, il a mis le din dans son affaire. Non, il arrive. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya ukhti, blablabla, regarde-moi, je fais ça, et tu veux une traduction, et ceci, naam, karara, karara, sou, cheikh al-bani, il a dit, tu viens, on va à l'hôtel. C'est chum. Désolé pour le verlan. Mais c'est moche. C'est le cœur qui a parlé. C'est très, très chum. Comme on dit. C'est abject, c'est hideux. Je sais employer des mots plus polis, vous inquiétez pas. Donc, ça c'est atroce. Ça c'est atroce. Et il y a plein d'autres choses comme ça. Tu vas montrer, tu vas faire une œuvre de l'au-delà normalement, juste pour avoir soit un bien de ce bas monde, mais pire, du haram de ce bas monde. Du haram de ce bas monde. Déjà, c'est hideux, il le dit. Il précise même pas le haram. Hein? D'accord? Rechercher ce bas monde. Un travail. C'est licite. Une femme au mariage, c'est licite. Que dire quand c'est du haram? Que dire quand c'est du haram? Admettons, je vais aller là-bas donner des petits doros comme ça, yani le père va venir assister aux doros, et toute ma niya, elle est basée là-dessus. Hein. Femme. Et le père vient aux doros et tout, il va dire, je suis mashallah, après je vais peut-être me poser des questions, après je vais dire, voilà, bi et tout, je vais le voir, la hajj et tout, et nani, nana, il cherche à me marier, vous n'avez pas une fille parce que j'ai repéré que sa fille habitait là-bas, j'aimerais bien me marier avec elle. Ça, c'est aussi très très moche. Ah, ta vie. Mais c'est une chose permise de ce bas monde en plus. Et pourtant, c'est très très moche d'avoir utilisé une chose de l'au-delà pour obtenir un bien de ce bas monde. Que dire quand c'est du haram? Que dire quand c'est du haram? Utiliser le din, ou alors quand les savants parlaient notamment chercher l'habit, à sujet de ce qu'il avait fait là, et qu'Allah lui pardonne et qu'Allah le guide, je crois vraiment qu'il en est malade, il disait, chercher l'habit, il disait comment on peut utiliser ça? Il était époustouflé. Comment on peut prendre le din d'Allah? Soulez la clésseur pour arriver. L'objectif de base, c'est ça, c'est arriver au haram, au péché, je vais te pervertir. C'est pour ça que l'autre l'avait appelé, l'autre savant l'avait appelé, j'ai oublié, je sais plus si c'était Shersnika ou pas, Abu Shaitan. Imagine, ouais, je vais faire ça, voilà, et Arnie comme ça, je vais me mettre mode bien musulman, bien propre, un peu de science et tout, arabophone, les sœurs vont craquer, et je vais les souiller à l'hôtel. Allahu Akbar. Qu'Allah lui pardonne. On demanda à Sahl ibn Abdallah quelle est la chose la plus difficile à l'âme. Il répondit la sincérité, car l'âme y trouve une part. Car l'âme y trouve une part. L'âme, elle n'aime pas trop la sincérité. Parce qu'elle, elle veut aussi sa part. Elle veut aussi être satisfaite. Or, on doit satisfaire que Allah. Mais l'âme aussi, nefs, moi aussi je suis là. Moi aussi je veux que les gens ils disent je suis beau. Et je suis bien. Et je suis ceci, je suis cela. Et œuvre pour moi aussi, il te dit. Et toi tu fais là. Illallah. Naam. L'âme, elle n'aime pas. Al-Rabi' ibn al-Nas, il a dit, le signe de la religion est la sincérité envers Allah, et le signe de la science est la crainte d'Allah. Donc, si t'as la religion, t'es plus dans ta religion, t'es sincère envers Allah, avec Allah. Et vraiment, tu diriges tes œuvres que pour Allah, et tu fuis comme ça l'éloge et les gens. Et le signe du haïm, c'est quand tu crains Allah. N'est pas savant celui en vérité qui désobéit à Allah. D'accord? Quand tu commets un péché, t'es ignorant. C'est un signe d'ignorance en vérité, d'accord? D'accord? Celui qui craint Allah, c'est le savant. Donc plus t'as de science, plus tu crains Allah, évidemment. On demanda à Atta al-Salimi,
Qu'est-ce que la prudence ? Il répondit, s'assurer que l'œuvre ne soit vouée qu'à Allah. Je suis prudent, je vérifie. Je fais attention, je prends mes précautions pour ne pas la perdre et encourir le châtiment. Les apôtres demandaient à Isa, alayhi salam, quelle est l'œuvre la plus sincère ? Celle pour laquelle tu n'aimerais pas être loué par les gens. En quoi consiste la sincérité envers Allah ? Elle consiste à débuter par le droit d'Allah avant le droit des hommes. Et si deux choses se présentent à toi, l'une pour Allah et l'autre pour ce bas monde, alors que tu commences par le droit d'Allah. Donc en vérité, Yanni, toujours la même chose, l'œuvre sincère, c'est ne pas chercher les louanges des gens, la sincérité. Tu débutes par le droit d'Allah avant le droit des hommes, toujours. Ils ont un haq, les gens, mais le droit d'Allah avant tout. Ta mère a un haq, mais le droit de la salat avant. Parce que c'est la salat, c'est lié à Allah, na'am, etc. D'accord ? De même, si tu as une chose à faire pour ce bas monde, une chose à faire pour Allah, tu commences par celle, Yanni, qui est liée au droit d'Allah. Bilal ibn Sa'ad a dit, tu ne peux être l'allié d'Allah en apparence et son ennemi en secret. Tu ne peux pas être comme ça, il y a une leçon. Mais tu ne peux pas, tu seras un hypocrite. C'est ça que ça veut dire. Tu ne peux pas être un allié d'Allah en apparence et, mashallah, allié, comme on a vu, les Qamis, le Sitar, et son ennemi en secret. Soit son ennemi parce que tu désobéis, tu fais des choses graves ou tu pries même pas. Soit son ennemi, carrément, il y en a, que combat l'islam et les musulmans. Allah a'lam, le sens profond ennemi, ça peut être plusieurs choses. Na'am, plusieurs choses sont correctes et justes ici. Al-Fudayl ibn Ayyad, il a dit, je préfère rechercher ce bas monde en jouant du tambour et de la flûte plutôt qu'à travers l'adoration. Allahu Akbar, comme je vous disais tout à l'heure. Et le bas monde encore, le bas monde, hein. Pas le haram, comme je vous disais, le quartier va l'avoir et voilà, Yarni, je viens chercher la fornication, le haram du bas monde. Mais il y va en jouant du tambour et de la flûte, ça veut dire quoi? En faisant du haram, quoi. J'y vais comme ça, et Yarni, voilà, je vais m'afficher. Je vais chercher, allez, j'ai gagné ma subsistance en faisant ça. Et je préfère même que... en faisant la darwa. Wallahi, moi, je pourrais dire une phrase là tout de suite. Il me serait préférable de magouiller. Donc magouiller, pas halal, hein. J'irai pas dire jusqu'à voler. J'arrive pas à le dire, mais magouiller pour gagner ma subsistance plutôt que de recevoir un salaire mensuel dû au cours que je fais. Sincère, c'est sincèrement que je dis ça. Je serais traumatisé de me dire, attends, il y a 1500 euros qui rentrent là avec les cours. Et évidemment, mon nefs va être ravi. Et c'est la fin des soucis, alhamdoulilah, j'ai juste à faire les cours, Allahu Akbar, Allah, tu m'as accordé une super part. Mais je sais que ça va plus être comme avant. Tu fais les cours, tu viseras les cours maintenant, Rassim, pour le salaire. On a déjà parlé dans des cours précédents, c'est dangereux. Naam. Bah de même, dis là, comme ça, Foudek, je préfère, vas-y, jouer du tambour, de la flûte, moi je dirais, bah allez, vendre des cacahuètes pour gagner ma subsistance, plutôt que d'aller gagner ma subsistance à travers le haïm, ah non, c'est clair, ou l'adoration, évidemment. Il a dit également, Al-Fudayl, l'homme ne cesse d'être dans le bien tant qu'il parle pour Allah et œuvre pour Allah. Il a dit à propos de la parole d'Allah, il vous éprouve afin de voir lequel d'entre vous agira le mieux, c'est-à-dire celui qui agira de la manière la plus sincère et la plus conforme. Si l'œuvre est sincère mais non conforme, elle n'est pas acceptée. On l'a vu, il y a l'ikhlas mais il n'y a pas le mutabba. Elle n'est pas conforme à la sunna. Il est sincère. Comme les tablis, on ne doute pas de leur sincérité. Et wallahi, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'œuvre n'est pas acceptée. Jusqu'à, yani, qu'elle soit conforme. Et si elle est conforme, c'est mashallah sunnah, mais t'es pas sincère, elle n'est pas acceptée non plus jusqu'à ce qu'elle y khlas. Et elle y khlas, la sincérité consiste à ce qu'elle soit vouée à Allah seul, et la conformité, on l'a vu, à ce qu'elle soit accomplie en fonction de la sunnah. Malik a dit, je vous jure que si des queues poussaient aux hypocrites, les croyants ne trouveraient plus aucun endroit où marcher. Quelle métaphore, Allahu Akbar. Si des queues poussaient aux hypocrites, les croyants ne seraient plus où marcher. Il y aurait des queues partout comme ça. Les gens qui laissent traîner leur queue par terre. Tellement il y a d'hypocrites. Yahya ibn Abu Kharith. Kathir. Je dis Kharith. Kathir. Comme ibn Kathir. L'ange monte vers Allah avec l'œuvre du serviteur. L'ange, il monte vers Allah, Naam, avec l'œuvre du serviteur qu'il a fait. Enchanté. L'ange, il est content, il a vu l'œuvre du serviteur. Bonne œuvre à ramener Allah. Le serviteur, Yanni, c'est quelqu'un qui fait des choses bien. On aime ça, nous, les anges. Mais Allah, il lui dit, inscrivez-la plutôt cette action au plus bas degré de l'enfer, car je n'ai pas été visé à travers cette œuvre. L'ange, il voit, tu fais ci, tu fais ça, il prend l'œuvre, il la monte vers Allah, regarde Allah, un de tes serviteurs, il a fait du khair. Là, enfer. Finnar, parce qu'elle n'a pas été sincère. Alors, vous, Billah, bien, Shaitan al-Rajim, voilà, nous accorde la sincérité. Malik ibn Dinar a dit, dites à celui qui n'est pas sincère de ne pas se fatiguer. Ça, c'est une phrase très connue, elle a souvent été postée. Dites à celui qui n'est pas sincère de ne pas se fatiguer. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il est exempté de faire les obligations. Là, il doit œuvrer. Mais quand on dit pas se fatiguer, c'est ne fait. Tu as prévu de par ostentation de prier toute la nuit. Wallah, va dormir, c'est mieux. Tu prendras plus de hasanat.
Là, tu vas prendre des péchés. Si c'est juste pour les gens, tu avais prévu de faire ça. Vous comprenez? De même, tu vas aller faire une assise, des douros, tu vas aller faire ça pendant 4 heures, 5 heures. Mais à la base, il n'est pas sincère. Ne te fatigue pas. Va te coucher, mon frère. Va te promener. Ça ne sert à rien de faire tes douros. Tu n'es pas sincère. Donc, dis à celui qui n'est pas sincère, ça ne sert à rien de te fatiguer. Ça ne veut pas dire ne pratique rien du din vu que tu as fait preuve de non-sincérité et d'hypocrisie dans ton cœur une fois. Ce n'est pas ce que ça veut dire non plus. On termine avec, il nous reste 4 ou 5 là à lire et on aura fini pour le chapitre. Comme ça, au moins, on a fini celui-là. Et Inch'Allah, on fait Inch'Allah un chapitre par cours. Après, ce sera le chapitre de la correction de la niya, la correction de l'intention, ce qui est encore lié à la sincérité. Au moins, on finit celui-là. Ma'ruf el-Qurakhi, il a dit, comme sont nombreux les pieux et comme sont peu nombreux les véridiques. Comme sont nombreux les pieux et comme sont peu nombreux les véridiques. Les véridiques, c'est au-dessus de pieux. Les pieux ou ceux qui se prétendent pieux, il y en a beaucoup. Les véridiques, ça, il y en a très peu. Ibn Ajlan, il a dit, l'œuvre n'est correcte qu'avec 3 choses. Hein. La crainte d'Allah, une bonne intention et une conformité à la sunna. On répète, ton œuvre sera acceptée que s'il y a la crainte d'Allah, taqwa, je dirais, il faut que ce soit fait avec piété. Non, une bonne intention, al-ikhlas, al-niya et une conformité à la sunna. Je crois que c'est une bila. Non. Hussein ibn Abd al-Rahman rapporte, j'ai demandé à Asma bint Abi Bakr, comment étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de la lecture du Coran, tel qu'Allah azawajal les a mentionnés et décrits, leurs yeux versaient des larmes et leur peau frissonnait, il dit. Il est des gens qui, lorsqu'on leur récite le Coran, s'évanouissent. Je cherche protection auprès d'Allah contre eux, Satan le lapidé. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Il y a des gens, lorsqu'ils lisent le Coran, ils s'évanouissent. C'est exagéré. Ils font ça, c'est de l'exagération. Les compagnons, les meilleurs des hommes, ils versaient des larmes et leur peau frissonnait. Aujourd'hui, il y en a comme ça, on a le Coran, ils font des convulsions, ça, c'est de l'exagération. Ibn Hazim rapporte, Ibn Omar, radiallahu anhu, passa devant un homme venu d'Irak qui s'était évanoui. Il lui demanda, qu'a-t-il ? Lorsqu'on lui lit le Coran, voilà ce qui arrive. Il répondit, quant à nous, nous craignons Allah et nous ne nous évanouissons pas. Ah, nous on craint Allah, on est les compagnons et lui il est là, il vient s'évanouir. C'est exagéré. On interrogea Mohammed ibn Sirin, très connu. Cette science est une religion, regardez de qui vous la prenez. Mohammed ibn Sirin, rahimullah, concernant donc ceux qui s'évanouissent en entendant le Coran, il a dit, nous leur donnons rendez-vous au-dessus d'un mur, on leur lira le Coran du début à la fin, et s'ils tombent, ils sont tels qu'ils prétendent. Et l'humour des savants, ceux qui disent qu'on ne peut pas rire dans l'islam. Si, mais des blagues drôles. Voilà, des blagues comme ça. Ça me fait rire. Pas les blagues perverses, ou comme on voit sur Internet, ou les jeux de mots avec le din pour rabaisser le din, ou inutile, ou pervers. Non, ça c'est très drôle. Qui a compris? Moi, ça me fait rire. On l'a interrogé. Ah, il s'évanouit quand ils ont du Coran. Ah, on va leur donner rendez-vous au-dessus d'un mur. Dire, oh, s'ils s'évanouissent, ils vont tomber, ils vont mourir. On va voir si, on va lire le Coran du début à la fin. On va voir s'ils vont tomber. Et on va voir. S'ils tombent, c'est vraiment ressenti. Le frisson du Coran, ils tombent, ils sont morts. Parce qu'ils tombent du mur, rien où tu vas te faire très mal, en tout cas. Ils sont sincères. Et Wallah, ils pensent, ils disent, Wallah, vous restez éveillés. Parce que, ça, je trouve ça très drôle. Voilà, ça, c'est une blague permise. Ça, c'est très drôle. Moi, je trouve ça typique de mon humour, en plus. Voilà, il a voulu les tester. Et là, il y a la rhétorique des savants. Il lui propose ça, Wallah, personne va monter sur le mur. Voilà, classe. Comme d'autres choses aussi, c'était marrant une fois. Il dit quoi, l'innovateur. S'il y en a un qui marche sur l'eau, même ne prend pas de lui, ne croit pas. Il a dit, moi, Wallah, même si je le vois voler dans les airs, je vais pas le croire. Voilà, il savait aussi avoir des moments, des contracts, etc. Et c'est pas toujours que le sermon ou autre. Mais il faut savoir rire et comment rire. Voilà, maintenant, nous, on est habitués à des rires salaces, à des blagues. C'est même pas drôle en plus. Et des choses salaces. Et des choses perverses. Et des choses haram. Alors ça nous fait plus rire. On dit, mais il est où la blague dans la phrase de Mohammed ibn Sirin? C'est parce qu'il y a trop d'humour dans notre vie. Pseudo-humour en plus. Trop. Du coup, on savoure plus que c'est une blague en fait. Abdelkarim ibn Rachid, il rapporte, il était dans l'assise d'Al-Hassan lorsqu'un homme se mit à pleurer et à lever la voix. Quand il pleure, il lève la voix. Al-Hassan lui dit, c'est Shaitan qui le fait pleurer. C'est Shaitan qui le fait pleurer et lever la voix dans cette assise-là. Ça, tu fais ça si t'es tout seul, Naam, pas devant les gens. Al-Fudayl ibn Ayyad, il a dit à son fils qui venait de s'évanouir, mon fils, tu étais véridique, tu t'es dévoilé. Et si tu étais menteur, tu t'es conduit à la perte. Mon fils, tu étais un véridique, tu t'es dévoilé. Et si tu étais menteur, tu t'es conduit à la perte. Naam. Al-Fudayl ibn Ayyad, il a dit encore, combien accomplissent des circumambulations autour de la maison sacrée, vous savez, le tawaf comme ça autour de la Kaaba, alors que d'autres qui en sont éloignés obtiennent plus de récompenses qu'eux. Parce que quand ils tournent, c'est par ostentation.
Ils font donc une en œuvre, machallah, mais pour être vus. Alors que d'autres, en vérité, peut-être qu'ils sont comme ça, près d'une montagne, ou qu'Allah m'accorde une fois un jour d'aller à Mecca, j'y ai jamais été, mais j'imagine, ils sont loin, soit dans leur chambre d'hôtel, soit dans le désert, soit là, et ils obtiennent bien plus de récompenses qu'eux, en étant préservés du regard des gens. Et enfin, pour terminer le chapitre, et je vous remercie de votre patience, on demanda à Ibn al-Mubarak, quelle est la meilleure des œuvres? Et il répondit, vous en doutez, c'est le titre du chapitre, la sincérité envers Allah, al-ikhlas, c'est ça la meilleure des œuvres. Mais c'est pas l'ilm, c'est pas le qiyam al-layl, c'est pas ça, c'est pas al-hajj, c'est pas... C'est quoi la... C'est quoi la meilleure œuvre? C'est l'ikhlas. Peu importe ton œuvre, c'est si t'es sincère dans ton œuvre, c'est ça ta meilleure œuvre. L'ikhlas est la plus difficile à effectuer à l'ikhlas. La plus difficile, et on va le voir justement. Inch'Allah, donc on est samedi. Du coup, demain, le cours n'est pas à 16h, sur ainsi était nos plus près les histoires, mais plutôt après l'Aïcha vers minuit et demi. C'est une veillée. C'est deux fois par semaine, vendredi, dimanche. Eh bien, demain soir, Inch'Allah Ta'ala, ce sera la correction de l'intention. Ce qui est lié au chapitre du jour sur la sincérité, la correction de Niyya. On va voir encore beaucoup de paroles, Yanni, dans cet esprit-là, je vais dire, lié à cela, lié à cette sincérité, et comment justement corriger l'intention. Très intéressant. Ce sont des chapitres à chaque fois assez courts. Il y en a beaucoup, mais ils sont assez courts, ce qui nous permet de détailler un peu. Wallahu a'lam wa ahkam, subhanallahi wa humma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. S'il y en a qui ont quelques questions rapidement, inshallah ou pas. Là, aucune question. Alhamdoulillah, de toute façon, on se retrouve inshallah à 20h pour le cours du livre Cher Saadi, les moyens menant à une vie heureuse. 20h, Inch'Allah, s'il y a des questions, on les fera à ce moment-là, étant donné que là, c'est l'heure pile de Salat al-As. Subhanallah, wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum, à tout à l'heure, Inch'Allah, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. 20h, Inch'Allah.